Ok, ok, c'est bon, c'est bon, on est parti. On va commencer. Je ne me laisse pas le temps de modifier euh, quoi que ce soit. Je vais vérifier le setting, c'est quoi Pour les couleurs c'est de trouver pour les couleurs, en fait. Euh, Team Racing Non. Et pas éteint de regarder. pas changer les couleurs, c'est dommage. Il n'y aura pas de modification de couleur. Bon, on va commencer. Moi ça va super, j'espère que toi tu vas bien Phoenix. Allez, un petit random race, je sais pas c'est lequel, j'ai pas bien regardé. Je vais laisser quelques instants. Mais bon, le play, il est bon. Mon play, c'est parti. Ah bah bon, en plus une course de Big Den. Quelles euh... sont les options? Ouais super. Eh ben c'est cool. Pali, ouais bien sûr. Pali, play, c'est bon Phoenix, c'est passé. Oui, euh, le truc de Zoulou. va aller dans les options, c'est dommage. Euh, bah ce sera tout je crois il cru voir qu'il y avait Piglou mais en fait non, finalement... on euh, pas venir. Pour cette petite... Dieu, pour euh, cette, ce petit échauffement. Tranquille. Alors, on a à peu près une dizaine de secondes parce que c'est le premier. Et je précise que si on n'est pas assez nombreux à 22h30, je ferai une petite séance spéciale que je reporterai demain s'il y a grand prix. Euh, ce serait à propos des clips, etc. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Game de chauffe. On va essayer de battre le record de Big Ben pour le live. Sur Tundra Tumble 2. Ça commence tout de suite avec Phoenix qui a compris et moi qui est bloqué dans le bonhomme de neige. Alors que ça s'enchaîne. Phoenix est en train de rattraper le record. Tu voulais modifier quoi dans les options Je vais modifier les couleurs. Parce que les couleurs VIP et et moi-même et les abonnés, ils sont à peu près de la même couleur. Donc euh, c'est dur. va bien avoir des couleurs bien plus différentes, surtout pour les Daltoniens. Oh bah Phoenix a l'air d'être bien parti pour gagner la course, sauf si... Il lui arrive à rien d'autre. Et je tourne. Et je tourne. Et je tourne. Et Phoenix tourne aussi. Et je tourne encore. Je vais perdre dès le début. Faut savoir que si Phoenix il arrive, il euh, y a la fin de la course qui commence à arriver, et moi je, je suis mort là. Attention les bumps. Oh, ça a l'air d'aller. Tout va bien. Oh, je suis encore dedans Phoenix entame la machine à laver. Bonsoir qui. Il juste une petite partie de chauffe là pour l'instant, tranquille. Heureusement que c'est un échauffement hein. Alors Phoenix a l'air de sortir avant le record. Je que savoir si... Quasiment exécute. Hein. Je suis toujours dans la boule de neige là-haut. C'est chiant. Je veux sortir. Je crois que je suis, je suis bloqué. C'est-à-dire que si Phoenix il tombe là... Et eh ben, c'est infini, euh, c'est mort. Je pense qu'il ah oui, battra pas le record de Big Ben. Et attention, Phoenix il passe, fin de la cour, je suis mort. 3, 2, 1, au revoir. Comment je peux être bloqué Je suis complètement bloqué Je suis resté dans la boule à neige de pendant une minute Deux minutes même Deux minutes trois, je suis resté dans la boule de neige de, du début à la fin. C'est dégueulasse ouais, C'était victoire gratuite pour, euh, pour Phoenix du coup c'était la game de chauffe. Hein. Allez. La poussée. La game de chauffe, c'est pas grave. Hop, allez, c'est parti. Alors on a Big Ben euh, qui vient de euh, nous rejoindre ce soir. On a Hugo Anko qui nous a rejoint. Et du coup on a Raki qui nous a rejoint aussi. Hop lancement dans 20 secondes. Ah bah là on m'attend pas Ah bah ben, game de chauffe, hein. C'est game de chauffe Moi je commence mes lives à 21h. Peut-être un peu plus tard si il m'arrive une petite mésaventure avant le lancement de live. Mais sinon c'est 21h. C'est Raquel en fait, mais pseudo déjà pris MDR. Ah d'accord, c'est pour ça que c'est. D'accord, c'est Raquel. Je voyais Raquel 31 mais non, c'est Raquel. Euh, T'es en rose sur euh, sur mon J'ai perdu le nom. <laughs> J'ai perdu le nom. Sur mon chatty. C'est pour ça. Allez, lancement dans 15 secondes. Allez. <laughs> ouais, c'est vrai, c'est un peu long quand même. Pendant hein. bon, 10 secondes. Après, si vous êtes encore connecté à à 22h30 je ferai un je ferai un grand prix donc pseudo Bon je penserai à Raquel alors on a euh, un VIP un abonné moi-même le record et, et un viewer Ouah, ça va vite ça va aller vite, hein. ça va tomber très vite. Hugo est bien parti. Ok, il a été un peu bousculé par moi-même. Big Ben aussi, Raquel aussi. Ah Big Ben, Big Ben. Va toujours Hugo, hein. euh, bah, Hugo il a été poussé. Phoenix euh, commence à. Ça... Oula, qu'est-ce que c'est que ce Keno Un ah, bordel. Hein. Allez, le dernier coup pour Hugo peut-être. Non, un peu long. Ça se bouscule un peu hein, aux côtés de Phoenix et Raquel là. Euh... Aïe aïe aïe. Ça y est, ça a poussé. Big Ben, Raquel. On dirait des planètes, c'est incroyable. C'est Raquel, lampe encore. Raquel. Raquel qui passe en premier. Suivi de très très près par Phoenix. Ensuite moi-même, après Hugo et après Big Ben qui est encore coincé. Alors on passe le premier vrai obstacle dans l'accélération, tranquille. Tout va bien. Le record il est parti. Alors, Raquel qui va se réceptionner là-bas. Ça se passe plutôt pas mal. Les autres, Phoenix, Hugo. Tout va bien. Moi, Big Ben. Ok, tout va bien. Alors qu'il y a des accélérateurs et des bumps, Raquel bat le record pour l'instant. Je vois le, le chat pas content là. Je sais pas si c'est un chat d'ailleurs. Bon, il y a pas d'oreille quand même. Alors moi même deuxième. Alors je suis bloqué là. Il y a des pseudos que je vois pas très bien. Phoenix, Big Ben et Hugo. Tout va bien. Personne n'est mort. Raiki qui, Raquel pardon, qui qui s'envole. Attention les bumpers Ah il va y avoir des morts ici. Bien pour moi pour l'instant, Big Ben, non, Phoenix, Phoenix, moi qui passe devant, Phoenix juste derrière, Raquel qui est en train de perdre toute son avance, Hugo qui commence à passer, qui était ralenti, et je finis premier avec Phoenix deuxième, qui a battu le record, donc j'ai le record maintenant, Raquel troisième, Big Ben quatrième, Hugo Nko cinquième et dernier, tout le monde a fini sain et sauf. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, cette poisse. <laughs> not like visque, not like vis. Ok, j'ai horri. Ouais, Raquel était très très bien euh, pendant un bon bout de temps, il a été bloqué par une euh, sorte d'entonnoir euh, débile. Mais tout le monde est arrivé, c'est sauf, hein, ça arrive. Et je l'ai coiffé au poteau, du coup, suivi par Phoenix. Ah C'est nickel, hein Moi, le streamer, logique. L'abonné. Bon, après, il y a les deux VIP. Euh... Bon, il faudrait que je pense la prochaine fois à changer les couleurs, hein, si je peux. parce que Rouge, euh, violet, rose, ça, ça se voit pas trop. On hein. va bien mettre, par exemple, euh, les abonnés un peu en, enfin, en rouge, ça c'est bon. Euh, les VIP peut-être en bleu. Histoire qu'on les voit bien. Alors, on est sur Twist and Turn 2. On l'a jamais fait celui-là. On l'a pas fini si on l'a fait. Il n'y a pas de record chez nous. Il y a juste le record du monde. Alors, on est trois. Il y a Phoenix, Raquel. Il manque Big Ben. Et il manque Hugo. Alors, on laisse un petit peu de temps. Comme d'habitude, moi, je fais des, des petits rappels. Mais si je ne les vois pas, je fais plus de rappels pour les prochaines courses. Donc, Big Ben, c'est bon. Il ne reste plus qu'Hugo. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir, on n'oublie pas le point d'exclamation Play. Ça va être comme ça pendant à peu près une heure et quart avant de lancer un grand prix. Je pense qu'on ouais, on est assez nombreux. Hugo, c'est bon. Donc lancement dans 10 secondes, du coup. Une fois que tout le monde est inscrit, je lance ce chrono assez rapidement. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, good luck have Fun pour tout le monde. Enfin, pour tous les inscrits et pour les autres, ce sera la prochaine fois. Le but, c'est aussi d'enchaîner un petit peu les courses. Allez, c'est parti. On commence encore avec une sorte d'entonnoir de type Keno. Alors, Big Ben est très, 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 très bien là Il a dû être bousculé, du coup, il est bien retombé. Euh, Moi-même, je suis pas mal aussi. Alors que Big Ben était très bas là, euh, bizarrement. Moi j'ai vachement ralenti. J'ai dû être bien bousculé. Alors qu'Hugo et Big Ben vont peut-être se pousser un petit peu. Non. Moi je passe en tout cas. C'est parti, je m'envole. Enfin, je m'envole. Euh, Vaudrait mieux pas, mais je, je suis parti. Hugo me suit. Big Ben après derrière. On a Phoenix et Raquel qui sont encore euh, tous les deux dans le kéno. Alors qu'on va passer petit slalom. Alors que ça ralentit du côté de Big Ben et Hugo qui sont ultra nerveux là. Qu'est-ce qui se passe Doucement. Oh là, Raquel, attention Non, c'est bon. Je passe l'entonnoir, moi, de mon côté. Les autres sont coincés dedans. Hugo me suit. Big Ben a décidé de nous suivre. On a Phoenix et Raquel qui nous suivent. Personne n'a pris le chemin de droite. Alors que je passe d'autres. Un... Ça va être une succession d'entonnoirs débiles. Sachant qu'il va y avoir un tourniquet vers la fin. Alors, je continue à avoir l'avantage. C'est normal pour l'instant vraiment beaucoup euh, ça c'est vraiment pour euh, quand il y a beaucoup beaucoup de monde on est que 5 là pour l'instant donc c'est normal que oh là là bel entonnoir de ma part là j'ai quasiment un entonnoir d'avance par rapport aux autres se passe super bien et attention l'obstacle ultime le tourniquet alors que je suis au taquet par rapport à hugo il y a big ben phoenix et raquel qui ont décidé de me suivre j'ai été stoppé par le tourniquet hugo peut me rattraper me dépasser hugo qui Passe le tourniquet en premier, suivi par moi, et Big Ben qui me passe devant avec de la vitesse. Attention, c'est une course de vitesse entre Hugo et Big Ben. Hugo et Big Ben. Hugo et Big Ben. Big Ben qui va super vite. Hugo contre Big Ben. Ça a l'air d'être... Hugo et Big Ben juste derrière. Ensuite, on a moi-même, Phoenix et Raquel. J'ai été stoppé par le tourniquet à la fin. Et ce finish dans les deux sens. Magnifique finish. Le début était un peu moche, dégueu, mais la fin euh, reste assez épique pour cinq personnes. Mais je pense qu'il faut être beaucoup plus nombreux pour cette course. Hein. Donc du coup, c'est les deux VIP qui sont passés devant, suivis par moi, suivis par l'abonné le... Phoenix et enfin, Raquel qui a tout perdu. Tourniquet Lul. Voilà. Euh... Pour pas grand chose à dire. Personne n'est mort pour l'instant. Oh non, non! Non, 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 non! Ah c'est de la. Attends, c'est. Ouais, c'est la maison hantée, celui-là. Oh, elle pue, celle-là. De... Oh non, elle pue. C'est de la merde. Je spoil d'avance, c'était de la merde. Hein. On va se faire chier pendant 4 minutes. Il est long! Il est chiant! Tout le monde est là? Hugo, Big Ben, moi, Phoenix. Oui, on est 5, c'est bon. Euh, les 5 sont là. Donc, je vais lancer très rapidement. Je lance dans 10 secondes. Hein. Alors, tu peux AFK, il n'y a pas de problème. Hein. Là. Mais euh... c'est un peu chier quand même. 5, 4, 3, 2, 1. Top Allez, c'est parti. On peut aller faire pipi euh, plein de trucs. Il y a juste une partie rondeau, mais après, ben, on sait qui a gagné. Hein. <laughs> Au bout de 2 minutes, tu as, as, as déjà un vainqueur que la course n'est pas finie. Donc, euh, voilà, on va enchaîner. Euh, Until Hill je vais le mettre dans le collimateur Je vais commencer à enlever quand même des courses euh, au bout d'un moment Parce que cette course là elle est chiante En tout cas si elle est dans le grand prix je le, je le supprimerai hein. Quand même des courses euh, Faut dire non C'est bah, bête parce que c'est un bon début Mais le problème c'est qu'après c'est 3 heures de maison hantée débile Heureusement qu'il y a un bruit de fond de musique Qui fait mal aux oreilles <laughs> Et donc on commence encore moi bah, Dis donc j'ai une bille lourde ou quoi Sachant que si tout va bien ce soir je pourrais rajouter pour les abonnés une nouvelle bille. Et moi je... je... suis plus fidèle à mes abonnés, hein, c'est logique. Allez cracher votre thune. Alors, pour l'instant tout va bien, je bats le record pour l'instant. Mais bon, il va y avoir pas mal d'obstacles qui vont me casser les couilles. On a 2 deuxième, Hugo troisième, Big Ben quatrième, Raquel cinquième, mais ça ne veut rien dire pour l'instant. Il y a deux, trois petits obstacles qui peuvent faire peur, comme les téléportations, etc. Alors, okay, allez, vite, 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 allez Allez Allez, on te regarde que toi, là. Les autres, on s'en fout. Je mets en avant un viewer. D'ailleurs, tout ce qui est le plus lambda, qui va rester fidèle très longtemps, qui va finir VIP s'il si, si s'en sort bien par rapport à d'autres qu'on qu voit plus sur le live. pour pourra prendre la place du top 10, du leaderboard. Alors que moi-même je suis parti très loin. La téléportation se passe plutôt bien pour la plupart. Il reste plus que Raquel, allez Raquel. Raquel qui peut se au-dessus. Raquel, qu'est-ce que tu fais Allez viens Nickel, il va au-dessus. Il passe un tourniquet nickel qui s'est plutôt pas si bien passé que ça. Alors que moi je continue tranquillement mon petit bonhomme de chemin. Raquel qui a énormément de retard là. Assez compliqué alors que voilà, ça va aller tout droit et je crois qu'on arrive vers euh, la phase où je sais que j'ai gagné. Mais maintenant il ne reste plus qu'à savoir si je bats le record ou pas. Mais c'est le retard de la mort. Raquel qui est bloquée sur le tourniquet qui vient de sortir, ça y est. vas ben dis donc. Ok, elle aura tout le temps pour euh, passer euh, la fin de la course. Alors moi-même, je continue tranquillement les accélérateurs, qu'est-ce qu'on se fait chier. Il y a 2-3 obstacles de temps en temps. Normalement il doit y avoir des bumpers à un ou deux endroits pour ralentir. Faut que je passe un arbre. Ah, un petit obstacle là, regardez. Waouh, quel obstacle incroyable. Hop, voilà. Et du coup le record me bat euh, d'un seul coup. Alors que Phoenix vient de se prendre le mur. Hugo aussi, Big Ben. Et Raquel qui, qui descend. Hein, euh... T'es perdu. Alors qu'on s'envole. Et là, c'est la visite de la maison hantée. Je suis premier, c'est sûr, logiquement. Phoenix, Hugo et Big Ben peuvent encore se disputer sur un malentendu. Ils sont très très proches les uns des autres. Moi, je suis très loin devant. Ah oui, c'est vrai que dans le jeu. Ouh, ça va. Allez, on redescend. Alors que je me paye un mur, les autres. Hugo, Phoenix, Big Ben. En montant, t'inquiète. Ouais. On va dire que c'est une game de chauffe, on visite. Mais ça fait quand même trois semaines d'affilée que je tombe sur une tête, c'est de la merde. Et Alors que Tradimension me fait un bonsoir. Bonsoir. Vous savez quoi, la prochaine fois, je le ferai en game de chauffe, comme ça, ça laissera le temps aux gens de venir. Je joue tout seul sur cette course et voilà, je visite la maison hantée pendant que vous, vous venez. On l'a trouvé. J'ai trouvé une utilité sur cette course qui est ultra longue et chiante. En gros, je peux mettre même une petite pub hein, tranquille pendant que la course se met en route. Ah mon dieu, Fur, c'était vachement dur. Alors que Phoenix vient de dépasser Hugo. Favoritisme. Alors que Big Ben vient de dépasser Hugo aussi. Ça joue de peu, mais je crois que c'est ouais, Big Ben qui passe devant. Et on attend euh, le champion. Le champion qui continue sa petite visite. Passe 1 minute 13. C'est bientôt la fin de toute façon. Hop là, petit envolé. Paf. On redescend les escaliers. T'inquiète pas, tu es large par rapport à la fin de la course qui est très 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 loin logiquement. Il est tout là-haut. Tu as le temps de venir. Allez, on t'attend. On t'attend. On t'attend. Ouais, ouais. Ouais, ouais, un sub 5 minutes, allez, c'est bien. Sub 5 minutes, bravo. Bon, tout le monde est encore vivant, mais là maintenant, il va y avoir du monde, là, avec Ultra ceux qui nous rejoint. Challenge complete La semaine prochaine. Yeah. Bon, rien à dire, c'était la maison hantée, c'est de la merde. <rire> <rire> si, euh, le truc à dire, c'est la maison hantée, c'est de la merde. Et on enchaîne sur Devil Chaos 2. Oh, bah, ça tombe bien, il y a Ultra Dimoncio qui vient de nous rejoindre. C'est sa course. Donc, il va essayer de défendre son titre, là. On est censé être 6. Il manque Big Ben et Phoenix. Phoenix et AFK. Il faut revenir, Phoenix Il reste ah, plus que Big Ben et Phoenix. Et peut-être d'autres personnes pour ceux qui veulent faire point d'exclamation play. C'est le moment. Je Laisse une petite trentaine de secondes pour les retardataires là. Donc, il y en a un qui est AFK. Voilà, Big Ben, c'est bon. Il reste plus que Phoenix. C'est bien d'être AFK, mais la course est finie. <laughs> Attention, 20 secondes. Et hey, sort Phoenix, sort vite. Point d'exclamation play. 10 secondes. 5, 4, 3. 2 1 Retard il sera FK pour, pour deux courses. Il ouais, n'y a pas de favoritisme, hein. c'est pas parce que c'est un abonné que je vais l'attendre. <laughs> oh là là, à quelqu'un en forme, ça y est, boum 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 boum, hop. Moi j'aime bien appeler ça le Krapchenko alors que c'est le Pakchenko euh, le vrai nom. Alors, on passe un tourniquet. Oula, on a un tourniquet chelou là. J'avais complètement oublié le tourniquet chelou. Tradimensio qui repasse devant, il m'ont bien accès à sa course à lui. Alors que personne n'arrive à le passer. Si on a Big Ben et moi-même qui passons, Raquel qui est bloqué au tourniquet, Hugo qui passe l'autre tourniquet de la mort, Raquel qui passe le premier tourniquet. Alors qu'Ultra Dimension vient d'entamer le petit entonnoir. Il est tombé Comme une pauvre merde Il ne défendra pas son titre. Les Big Ben qui tombe Comme une pauvre merde Les premiers morts. Premier mort. Attention, Raiki qui rattrape Hugo Nko. Alors que moi je suis en train d'entamer le petit entonnoir tranquillement. Ah, c'est une course extrêmement dangereuse. Raquel est en train de bousculer Hugo Nko il se croit en karting, hein, tranquille. Il fait du karting et tout va bien. Moi-même, j'ai passé le bumper, enfin le, le boost inversé. Je suis en train de passer un tunnel de la mort. Hugo a compris le principe et Raquel, 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 Raquel. c'est bon, il fait le tour, et il passe devant. Alors que je viens d'entamer le tunnel, je suis en train de passer sous la lave. Euh, si on peut appeler ça de la lave, je sais pas. Je suis en train de traverser des intestins là. Qu'est-ce que c'est que cette merde Vous m'expliquez, qu'est-ce que c'est que ça Oh là là, il y a un mur bizarre Qu'est-ce que c'est que cette merde Alors qu'après il y a un gros bum de la mort, attention, il va y avoir des canons. Je suis où Je suis là, tout va bien. Bientôt la ligne d'arrivée de mon côté. Pour l'instant, tout va bien. Je ne suis pas tombé dans le mid, donc du coup je suis obligé de faire un détour. Alors que Raquel, lui, est sur le point de le faire. Non, il va se détourner du côté droit. Et Hugonko qui va aller aussi suivre euh, Raiki. Raquel, pardon. Alors attention, moi je suis du côté droit, donc j'ai un gros truc de la mort qui dure deux heures. Du côté de Raquel et de Hugo, on a l'ascenseur, puis beaucoup d'entonnoirs. Ok, c'est parti. Alors attention, les entonnoirs avec l'ascenseur, ça peut faire des morts. Ça commence bien déjà. Ah, tu viens d'arriver, ça y est, il y a des morts. Alors que ton record, il est loin. Pour l'instant, je suis en train de battre ton record. Attention, Raquel, qui s'est bien réceptionné, qui tombe bien, qui passe euh, l'entonnoir très facilement et qui passe totalement devant. Il a encore quelques petits tours à faire, alors que moi-même, j'ai encore quelques petits tours. Hugo n'a mal pris. Non, il est en train de tentamer l'ascenseur de son côté. Attention, c'est Raquel pour l'instant qui a l'avantage. Alors, il y a eu un rebond, il est en train de passer les deux entonnoirs tranquillement à son tour aussi. Il est bien parti pour finir second. Alors que moi, je continue à terminer tranquillement mes petits tours et tours et encore des petits tours. Raquel va passer le dernier entonnoir. Attention, il y a encore quelques petits boosts qui font pas trop de dégâts, qui vont juste ralentir sans plus. Hugo qui est en train de poursuivre Raquel pour l'empêcher de finir premier. Raquel qui va avoir un record de, de live là. On est à 3 minutes 5. Le record est à 3,58 de notre côté. Une 27 pour, euh, pour le record du monde quand même. Raquel, encore un tourniquet de la mort qui n'arrive pas à passer. Si, il passe, mais il y en a un deuxième. Attention, tout va bien. Le retour. Raquel qui va finir par le passer alors que nous, on est euh, complètement bloqué là-haut. Raquel est sur le point de terminer la course. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Raquel termine la course. Première victoire de Raquel ce soir. Tournée en drame pour moi. Et donc, il détient le record euh, pour le live. Record de live. Yeah, plus Win. Alors, moi-même, je suis complètement bloqué par les bumpers. De toute façon, le truc, il est très, 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 très loin. Je pense que je vais être large. Sauf si vraiment, je passe à tourniquer de merde comme le, 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 la boule de neige euh, tout à l'heure. Hugo, qui finit deuxième. Et moi, qui va être euh, le Bubble Man. Donc, euh, celui qui va terminer la course en dernier, mais qui va arriver jusqu'au bout. Et on a deux pauvres merdes, à savoir Ultra Dimensio et Big Ben. Et je crois que c'est Ultra Dimensio qui est tombé en premier. On verra sur le classement. Et c'est fini Donc c'est bien Ultra Dimensio qui est tombé. Et du coup, c'est la, la grosse fiotte de... de la course. Et oui, euh, je rappelle toujours les titres, hein. on a le premier, on a le Bubbleman et on a la grosse fiotte. ce sont les trois euh, VIP de la course. Les trois catégories, hein. celui qui finit premier, celui qui finit dernier mais qui termine la course, et euh, celui qui est tombé en premier, donc euh, désolé pour Ultra Dimensio, tu n'as pas pu défendre ni ton titre, ni ton record, et du coup c'est Raquel qui détient le record de cette course. Vivant en Espérant que Phoenix est revenu. Alors, on est sur The Space Station. Et c'est Big Ben qui a le record pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que là, il y a encore des records qui vont être battus. Alors, Raquel, Ultra Dimensio, Hugo, moi. Il manque Big Ben. Et Félix, il nous a rejoint. Et les autres qui veulent nous rejoindre. Point d'exclamation. Euh, play. Je laisse à peu près une trentaine de secondes pour les retardataires, comme d'habitude. Pour l'instant, on attend Big Ben. Et euh, voilà, Big Ben, c'est bon. Il y a toujours Phoenix. Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est revenu de son AFK On laisse une quinzaine de secondes à Phoenix encore. Et aux autres, pour ceux qui veulent s'inscrire. Attention, 5 4 3 2 1 Autard On va les 5, j'espère que j'en ai pas oublié aucun hein. On va dire à partir de 10 personnes je commence à plus savoir qui euh, s'est inscrit à la course précédente Je enfin, des scrims la prochaine fois Ça prendrait plus de temps Alors là on a des tourbiloles genre euh, super héros Oh bah putain hein, je suis avec Ultra Dimension, moi dans la même rangée on a Hugo Inco qui a décidé de prendre celui du record, c'est pas con. Hein. S'il veut battre un record, c'est la meilleure solution. Et Big Ben et Raquel sont dans deux trucs opposés. Alors qu'on va entamer un pseudo-Keno. Un, un pseudo Keno un un plutôt bien stylé quand même. Alors ça a l'air parti pour euh, Big Ben. Big Ben, Big Ben, Raquel, Big Ben, Raquel, Big Ben, Raquel juste derrière. Moi-même, Ultra Dimensio. Tout le monde est passé. Et là, maintenant, on va entamer la phase de la course qui est extrêmement longue et périlleuse. Pour ceux qui se rappellent, il y a eu... cette course-là a été faite il y a un bon bout de temps par Wanky Studio en 1v1. Pour savoir qui serait banni de leur live, hein, c'est cette course-là. Alors que Raquel prend le devant. Hugo et Big Ben sont au coup coude Big Ben qui s'est pris le pseudo bumper. Un qui qu s'envole. Hugo, deuxième. Ultra Dimension, troisième. Moi-même, quatrième. Et Big Ben ferme la marche. Et le record est loin derrière pour l'instant. Mais tout peut arriver, hein. La preuve, Hugo qui passe au tourniquet. Pas très bien. Raquel non plus. Big Ben non plus. Moi-même non plus. Et c'est Hugo qui passe devant cette fois. Qui a un avantage comparé euh, au record pour l'instant. Il a toujours le record à battre. Il n'est pas trop ralenti. On a Raquel deuxième. Big Ben troisième. Ultra Dimension quatrième. Et moi-même, je ferme la marche. Voilà, le classement a totalement été un chamboulé. Hugo qui s'envole. Apparemment le record euh, a été stoppé. Donc, on va entamer un petit euh, ascenseur. Alors il attention, il peut y avoir des morts. Hein. Deux, trois zones quand même assez dangereuses. On a toujours Raquel deuxième. Big Ben troisième, Ultra Dimensio quatrième. Pour l'instant personne n'est tombé de l'ascenseur, tout va bien. Alors Hugo s'envole, moi c'est le dernier, est-ce que je passe oui, alors on va revoir Hugo pour la suite. On va un peu passer son pseudo quand même. Enfin son, son avatar. Une petite hache violette. Alors, on va entamer un autre tourniquet à cette partie de la course. Qui s'est pas bien passé, donc du coup je crois que le record va le redépasser. Ah non apparemment euh, lui aussi il a été stoppé par euh, le tourniquet. Mais bon, le record, ça y est, n'arrive ne, ne, pas à être battu cette fois. Et c'est Ultra Dimensio qui a l'air d'être bien parti, mais il y a Big Ben et Raquel qui repasse devant. Suivi par Hugo. Ultra Dimensio. Et je suis bloqué avec Big Ben dans le tourniquet. Alors là, on a un pseudo-psa qui ne sert pas à grand chose. Hein, ça ne va pas trop ralentir. Par contre, là, euh, ça va bien ralentir. Alors Raquel a l'air de bien se... Passer. Non, il est au milieu, il est au milieu. Hugo qui stoppait aussi au milieu. Il va y avoir une petite accélération. Je pense que Hugo va être pas mal pour la réaccélération. Non, il est en train de se, se bloquer. Donc euh, en plus, c'est un accélérateur. Donc du coup, Raquel repasse encore toujours devant. On a Hugo deuxième. Ultra Demonso troisième. Big Ben et moi-même, on est au coude à coude. Mais je crois que c'est Big Ben qui est quatrième et moi qui ferme la marche. J'ai marqué sur le classement, mais pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme obstacle Celui-là, un autre derrière et c'est fini. Alors qu'on est déjà à plus de 3 minutes 30 sur cette course qui est très très longue quand même. Alors, une autre pseudo obstacle débilus qui ralentit quasiment pas. Failli se faire rattraper par Hugo, mais tout va bien. Il reste encore, ah oui, il reste encore une grande phase de bumper, attention. Encore a toujours Big Ben qui est assez loin devant moi. On a toujours Hugo et Ultra Dimensio qui sont au coude à coude pour la deuxième place. Et attention, on arrive à la dernière phase des bumpers qui sont. Ah là là Ralentissement de Raquel Ralentissement d'Hugo, Ultra Dimensio qui est un petit peu perturbé, mais non, c'est Raquel qui va terminer la course, logiquement en premier, suivi par Hugo, deuxième, Ultra Dimensio, troisième. Faudrait qu'ils se dépêchent un petit peu parce qu'il y a Big Ben qui arrive. Big Ben. Quatrième. Et je finis la marche il n'y a pas de mort sur cette course. Et pas de record battu. Big Ben conserve son record à 3 minutes 53. Et 726 millième. Mais bon, deuxième course d'affilée pour euh, Raquel. Hein. Il a fini plusieurs fois dernier. D'un seul coup, il finit premier. Ça a l'air bien parti pour le Grand Prix dans une heure, si on est assez nombreux. Là, pour l'instant, ça a l'air bon pour faire un Grand Prix. Hein. Pour l'instant. La dernière fois, j'ai eu le droit à des gens qui étaient là. Et à 22h30, ça commençait à faire tard. Donc tout le monde était parti et il n'y avait plus personne. Alors, on l'a fait celui-là Oui, apparemment, Marble Dinner, on l'a fait. Et Alicia qui a le record du live. Il faudrait battre parce que je ne la vois plus. Donc, si vous pouvez battre le record d'Alicia, ça ne me dérangerait pas. Donc, il manque toujours les mêmes. Il manque Big Ben et il manque toujours Phoenix. Il n'est pas revenu, mais j'ai l'impression que euh, Phoenix refera un point d'exclamation play. J'ai bien fait de pas l'attendre il y a deux courses. Donc, tout le monde est là. Maintenant, il reste à savoir s'il y en a plus. Lancement de course dans 15 secondes. Même 10 secondes plutôt, voilà, hop, 10, 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1, hop Et good luck have fun pour ceux qui sont sur la course. Ça fait des points pour tout le monde. Ça fait des points pour moi aussi pour permettre de rajouter des petits skills sympas. Alors, attention, les petits, les On a Hugo qui s'en sort pas mal, alors qu'il y a Raquel qui a compris. Euh, il termine bien les, les Krapchenko, le, le Raquel. On a des moments tombés. De il y a beaucoup de morts, je crois. Ah non, c'est le, le bistrot, la galipette. Il va y avoir un passage bistrot. Un pub Il va y avoir le pub alors on a Hugo, Big Ben, Raquel dommage qui aurait pu rattraper mais il a été ralenti, Big Ben qui est en train de rattraper Hugo Nko. On a Ultra Dimensio et moi qui termine la marche. Je suis le guide inversé, celui qui vérifie que tout le monde est bien présent. Hop, petit tour de piste, scène disco, tranquille, peinard. qu'est-ce qu'on s'amuse alors on voit quasiment rien, il n'y a plus de billes, il n'y a plus rien, il y a juste les pseudos, regardez les pseudos voilà, qui tournent. Tout autour d'un disque. Hein. Ceux qui connaissent ce que c'est qu'un disque. L'ancêtre du CD. Et l'ancêtre du Blu-ray. Après les CD, non, c'est pas vraiment le, le Blu-ray, c'est plutôt pour les DVD. Bon, enfin bref, ce qui nous intéresse c'est la course et pour l'instant on a toujours Alicia qui a le record et qui est un petit peu derrière Raquel. Qui va essayer de piquer plein de records là. On va le voir partout. Alors on a Big Ben, Ultra Dimension et moi-même qui sont vraiment en train de se bousculer. On est en train de se faire, euh... je sais pas là, qu'est-ce qui se passe là. Ah on est vraiment euh... pas loin l'un l'autre. Hein. Alors qu'on a euh, Raquel et Hugo qui, qu'est-ce qui se passe ici Il y, un... y a un truc bizarre là. Il y a un obstacle invisible là. Raquel prend de l'avance. Toujours le record pour l'instant. Alors qu'il y a beaucoup d'obstacles qui vont arriver après derrière. Rien n'est joué. La Big Ben qui est bloquée et qui nous rejoint. C'est compliqué la, la zone là-bas. C'est la fête, ouais! Alors attention ici, il peut y avoir des morts. On a déjà eu beaucoup de morts dans ce genre d'obstacles. Pour bon, l'instant, tout va bien. Les deux premiers restent les deux premiers. Et on va entamer un petit entonnoir. Attention pour le, les épileptiques. Même si ça fait pas trop mal aux yeux, hein, je fais en sorte euh, que tout se passe bien. Alors, ici, oula, oula, qu'est-ce qui se passe Il y a des bumpers là, je sais pas ce qui s'est passé. Attention, il va peut-être y avoir des morts ici. On a moi, ça se passe bien. Big Ben, ça s'est bien passé. Ultra Dimensio, ça s'est bien passé. Bah, C'est incroyable. Il n'y a qu'une course qui a mal fini, mais sinon tout va bien. Alors, gros obstacle, attention le record elle va être battu ou pas C'est sur cet obstacle que ça va jouer généralement. On a Hugo qui est en train de rattraper Raquel. Raquel, wow, projection, mais qui arrive. Si, il arrive à sortir quasiment en même temps que le record. Ça va jouer d'extrêmement peu. Aïe, ah, aïe, aïe, est-ce qu'il va l'avoir ce record Est-ce qu'il va l'avoir Ah là 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 là, il l'a, mais de vraiment très 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 peu. Il reste encore le dernier obstacle. Le gros obstacle de la mort qui va aller très très vite. Raquel qui. Wouah, qui a le record complètement battu Pulvérisé de 3 secondes. Donc, du coup, euh, premier euh, Raquel, deuxième. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti pour être Hugo, mais cet obstacle est vraiment retort. Hugo, ouais, il s'en sort très très bien lui aussi. Alors, moi-même, pour la troisième place, ça se passe bien. Ultra Dimensio fait le dernier petit chute. Normalement, il ne devrait pas y avoir euh, de tomber à partir du moment où cet obstacle est passé. Et donc là, je suis en train de me battre contre Big Ben alors que je fais du marche arrière. Je suis en train de dire Allez, Ultra Dimensio, vient. J'ai de la chance sur ce stream. Big Ben m'a coiffé au poteau. Ultra Dimensio, pour l'instant, se fait reculer. Je passe et Ultra Dimensio, dernier, quoi qu'il advienne, Ah de peu. Donc Raquel, encore grand vainqueur. Il les enchaîne, on est à trois courses d'affilée. Il va falloir le calmer, hein. c'est un viewer, merde. Ça mérite un abonnement. Ouais, c'est qu'une fois que tu te seras abonné à ma chaîne, je crois que tu vas perdre toutes tes courses. Donc Hugo, Big Ben, Ultra Dimension dernier... Il y a... oh non, ça ça s'est pas trop disputé. Du coup, Raquel entame son deuxième record sur le live. Il a deux records maintenant. Donc, tout va bien pour lui ce soir. Alors qu'on a un follow de Raquel. Bah oui, évidemment. Et en GP, en Grand Prix, je vais faire de la merde. Alors, le follow de... Merci, ça fait plaisir. Il ne faut pas que je l'oublie, ça. Uh, join, pas start. Join. Oh là là Mais que se passe-t-il Tu as réveillé Alicia. Que s'est-il passé Tu lui as piqué son record, elle s'est réveillée. Elle a fait... Euh... Elle a eu une alerte sur son euh, smartphone et elle s'est dit hop 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 Je me vengerai. Euh, on est 5, il manque Big Ben, je crois encore. Alors, Hugo Ultra. Ah il manque Big Ben. Voilà, la Big Ben, on est 6, je crois que tout le monde est là. Et Alicia qui nous a rejoint. Elle a peur que je pique MDR, oui. Je pique tous ses records. Alors là, c'est moi qui ai le record sur celui-là. Pour l'instant. J'ai envie de dire. Et Phoenix n'est toujours pas là. Donc lancement dans 30 secondes. Allez. J'ai beaucoup de temps. On ne voit pas les autres, mais pour l'instant, euh, c'est vrai que Alicia, elle a l'air pas mal, mais ça va redescendre un peu au milieu. Attention, 15 secondes. phoenix toujours pas revenu, tant pis pour lui. Alors, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Alors que le Grand Prix commencera dans 45 minutes. À 22h30, je vous rappelle. Espérons que tout le monde soit présent. On a Donald Duck Mom qui a le record du monde. Alors ça commence très très bien encore pour Akira ah, qui tombe comme une pauvre merde oh, <laughs> Alicia la maudit là. là. <laughs> Je pensais que ça commençait très bien mais ça commençait trop trop bien. Donc du coup on a Hugo Unko qui passe tranquillement. Alicia, Big Ben. Et ensuite on a Ultra Dimensio et moi-même qui termine la course. Donc du coup j'espère qu'ils vont pas faire des tons de ouf. Alors que Big Ben est tombé comme une... Pauvre merde On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais apparemment il a été un peu trop vite. Ah ouais ça, ça a dû se passer là-haut comme ça quand ça a redescendu. Donc il reste plus que moi-même qui doit passer une petite ascenseur, ça devrait bien se passer. Alors qu'Alicia s'envole à mort là, là, elle veut pulvériser des records là, elle a perdu un record, elle veut battre mon record à moi. C'est pas sympa. Pour moi. Allez, reprendre le record de Raquel, pas le mien, merde. Ah oh, le karma. Attention Hugo qui retombe tranquillement. On a toujours Ultra Dimensio et moi-même qui pouvons encore tomber comme des pauvres merdes. Alors qu'Alicia est en train d'entamer ses dernières. Euh... Hugo qui tombe Comme une pauvre merde Alicia, là, il n'y a plus rien. Ultra Dimensio qui tombe Comme une pauvre merde Il reste plus que moi et Alicia Alicia qui s'en sort très bien, qui va essayer de pulvériser mon record. Elle est très très bien partie pour tout battre. Là. Et moi je tombe Comme une pauvre merde Il reste plus qu'Alicia Et mon record Alicia qui va récupérer totalement le record, hein, la seule. Donc elle est à la fois la grande gagnante, la bubble girl, bubble man ou vois, hein, On va dire bubble man, désolé. Et du coup, une flopée de mort. Voilà, la course où elle a gagné toute seule. <laughs> Il n'y avait pas de compète. Hein. Elle a joué sa course, elle a joué sa vie et nous, on est morts. Hein, en jouant la prudence. Hein. Elle vient à peine d'arriver. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Incroyable. Et donc, Raquel qui est la grosse fiotte de la course, puisque c'est le premier à être tombé dès le début de la course. C'est vraiment pas de chance. Donc, un viewer premier, un viewer dernier. Hein. Commence vraiment à être la décadence. Ça va. C'est troisième, du coup. Donc ça envoie du, du fromage du côté d'Asuna. Ça y est, Asuna s'y met. Il va y avoir du cat size. Ça y est, c'est parti. Cat size entre Alicia et Asuna. Rivalité féminine, c'est parti. Alors que je joigne cette course. Et coucou d'Asuna. Ok, Raquel, c'est bon. Hugo, c'est bon. Ultra Dimension, c'est bon. Ça va être un très beau keno. Je viens polluer ton stream. Va faire point d'exclamation play, tu vas voir. Tu vas kiffer. Euh, on est quatre, il manque. Bah Elycia, ça y est, elle a fait un record, elle peut se barrer. Elle a au moins un record sur mon live. Elle est tranquille. Il y a toujours Big Ben qui manque. Asuna, si tu veux nous rejoindre, point d'exclamation play. À chaque course. Voilà, c'est passé. Il y a beaucoup de VIP. Hein. Il y a énormément de VIP. C'est normal, c'est ceux qui sont les plus fidèles à mon live, qui, qui regardent mes lives très souvent. Donc c'est logique. C'est le top 10. Et quelques cas particuliers, hein, parce que en fait, j'ai le droit de mettre plus de, de VIP, mais bon. C'est quoi ton truc ben, c'est Marvel on stream. Il manque toujours euh, Alicia et Big Ben. Je leur laisse euh, 35 secondes. 30 secondes pour Alicia, Big Ben et Phoenix s'il est revenu, Bon, ben, la dernière fois que je l'appelle hein 20 secondes pour les deux qui manquent Mais c'est trop marrant Alors attention, euh, là je vois plus parce que... allez Topin Je vois plus mon, mon chrono, casse toi Gab Gab Il y a une annonce Gab Gab sur Chatti Bon, 5, 4, 3, 2, 1, trop tard. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés sur le live et qui ont oublié le play. Tant pis, en tout cas, good luck à Fun pour euh, ceux qui sont là. Ouais, Phoenix est plus sur le... Ah oui, c'est un sacré AFK, quoi. C'est même pas JFK, c'est je me casse. Autant dire ça, c'est arrêter plus vite. Alors ça commence par un petit Keno et Asuna, très bien compris, alors que Raquel vient de coiffer au poteau, Asuna. Et ça commence tout de suite avec les petits bumpers, attention. Non, ça a eu juste un petit obstacle, alors qu'il y a Hugo et moi qui commençons à rattraper à bord euh, Raquel. Asuna qui est en train de redescendre, qui, qui est à fond, hein, voilà, est la première participation. On a Ultra Dimension qui passe devant Asuna parce qu'elle a, a été ralentie par les obstacles comme moi, là, à l'instant. On a Ultra Dimension qui repasse devant. mais bah, dis donc, c'est quoi cette course qui part en cacahuète Heureusement qu'on est que 5, hein, sinon, euh, ça serait le bordel. Et Raquel qui passe devant et qui termine l'obstacle. Attention, la chute mortelle. Se passe très bien cette fois pour Raquel qui continue de foncer. Euh, comme euh, comme un fou, hein, comme un malade. On est en train de poursuivre très très loin. Attention, la dernière chute. Attention et Raquel qui rate et qui tombe comme une pauvre merde. Hugo qui tombe comme une pauvre merde. Ultra Dimension en plus c'est lui qui a le record actuellement. Est-ce qu'il est arrivé trop vite Non, lui il a bien compris qu'il fallait ralentir à ce moment-là. Alors que moi j'arrive beaucoup trop vite. J'ai pas bousculé Ultra Dimension. Asuna qui arrive aussi tranquillement. Tout se passe bien. Alors, tout est à refaire. Hein. De... Les deux premiers euh, sont tombés, ne sont plus les favoris. Maintenant, c'est Ultra Dimensio qui a percuté, je crois, un obstacle euh, qui ne battra pas son record. Moi-même, euh, je m'en sors pas mal. Et Yasuna qui est très, très, très bas. Elle lui a bien bousculé l'obstacle. Les petits euh, trucs rouges. Hein. Du coup, elle passe en tête de la course et continue vers les tourniquets. Alors qu'Ultra et moi-même, on est encore bloqué au niveau de l'entonnoir. Ah, c'est la... la map de la folie. Moi, j'aime bien celle-là. Le Fear of Night c'est une des meilleures je trouve. Alors Asuna a complètement raté son tourniquet alors qu'il reste encore un gros obstacle de bumper, ça peut partir en cacahuète. On a Ultra Dimension qui va essayer de montrer comment on passe un tourniquet j'imagine. Euh, non tant bien que mal. Il ne reste plus que moi qui peux coiffer les deux poteaux et passer les bumpers et ça se passe plutôt bien de mon côté. Et on va commencer à passer les bumpers de mon côté. Attention, paf, 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 tout va bien, ça a été un petit peu ralenti. Je passe sur le côté, j'ai passé les bumpers, je suis bien parti pour terminer la course. Alors que la deuxième place se dispute toujours entre Ultra Dimensio et Asuna au niveau du tourniquet. Ultra Dimensio n'arrive toujours pas, il se refait propulser, il se fait gerter par le tourniquet. Alors qu'Asuna, ça fait un bon bout de temps, c'est la première arrivée, elle est toujours au niveau du tourniquet. On a Ultra Dimensio qui est bloqué par les bumpers, qui s'en sort et qui va finir probablement deuxième alors qu'Asuna... Encore bloquée au niveau du tourniquet. Attention, la fin de la course commence à arriver au niveau de l'entournoi, au niveau du kéno. Elle a encore un peu de marge, mais il faudrait qu'elle se décide à sortir de ce tourniquet. Elle est en train de jouer. Youpi Oui Hop, on passe au travers. Voilà, C'était comme ça qu'il fallait faire depuis tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Oui Ça y est, elle se fait jarter alors que la fin de la course commence à arriver, attention les bumpers, c'est tout ça pour se prendre un bumper, ça serait un peu débile Bon ça va, c'est un bumper mais j'étais déjà mis Alors que j'ai un follow Un follow, je sais pas de qui Je pense que c'est Lucifer j'imagine, je vais vérifier Asuna qui, qui était euh, favori Oui c'est bien Lucifer, merci Lucifer120806 pour le follow, ça fait plaisir Alors que Phoenix vient de revenir <laughs> voilà. J'ai failli gagner. <laughs> premier des derniers. MDR. Ah non tu es Bubble Man, on va dire. Tu es celui qui a fini euh, la course euh, en dernier, euh, Séné-Sauve, alors qu'il y a Ryuko, 12. Euh, merci, ça fait plaisir pour le follow. Euh, je voulais résumer un peu. Voilà, deux pauvres merdes là, et une grosse fiotte qui est Raquel, qui est le premier à être tombé comme une pauvre merde. Voilà. Euh, ils sont tombés parce qu'ils ont été beaucoup trop vite. Il y a un passage avec l'entonnoir, avec une petite rampe, et ils ont été trop vite. Voilà pour le résumé de cette course qui était plutôt épique. Première grosse course euh, épique de euh, la soirée. Alors qu'il reste euh, un peu plus de 30 minutes avant le Grand Prix. Et là, je vois qu'il y a du monde, des follow et tout qui tombent en masse. Donc on est bien parti pour faire euh, le Grand Prix. Allez, c'est parti pour les join. On a Lucifer qui est au taquet direct. Hop, il est venu, il a fait son follow, et maintenant il fait du play 666. On a Raquel. Asuna qui a l'air d'être partie, ça y est, elle est à fond dedans. On a Ryuko qui nous rejoint du coup. On a Ultra Dimoncio. Il nous manque, admire-moi. On va te regarder. Euh, D'ailleurs, c'est Ultra Dimoncio qui a le, le record. Phoenix qui est revenu. On a Big Ben qui n'était pas là. On a As euh, Alicia qui n'était pas là. À la précédente course qui, je la vois encore au niveau. Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde qui nous manque. On est 7 quand même. Hein. Pas le record, et pas encore le record. Je laisse une petite trentaine de secondes pour ceux qui veulent euh... le record, mais pour longtemps. Ah, il y a eu Tradibus qui va essayer de vous bousculer pour euh, vous empêcher d'avoir le record. Hein. Je le connais très bien. Attention, lancement de course dans 15 secondes. 15 secondes. Alors là, par contre, vous commencez à euh, y a eu tellement de monde qui sont passés par ci par là. Je sais pas qui a participé à telle course, donc euh, faites attention. Je laisse un peu ton 5, 4, 3, 2, 1. Top! Allez, good luck, have fun, surtout pour les deux nouveaux. Et surtout pour les deux nouveaux, c'est dégueulasse. Hein Généralement, ça fait un d'une course. Enfin, Asuna a été l'exception, hein, elle nous a rejoint, mais. Et ça commence par euh, ce que j'appelle un Kranchenko. Ouais, c'est un packchenko, mais il n'y a pas de gagnant. Ouais, c'est un craqué. Un Krapchenko, pour l'instant Ultra Dimensio a l'air bien parti, alors que Lucifer vient de rattraper, vient de se faire booster par un petit tourniquet qu'il y avait dans le Krapchenko, qui passe par le milieu, c'est une très bonne idée, Asuna qui suit juste derrière Ultra Dimensio, Raiki, attention, on est quasiment à égalité, ça se joue au coup d'à coup entre Lucifer, Raiki, Asuna, moi-même, Ultra Dimensio et Phoenix, qui sommes devant, il manque personne, non il manque personne. Je pense que j'ai oublié un nom, je suis désolé. Alors que Asuna est totalement à l'opposé de tout le reste du groupe, elle est tranquille. Voilà, cabine pour femmes, cabine pour hommes. À moins qu'il y ait des, euh, des femmes de notre côté, je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, il y a peut-être des femmes, c'est peut-être Raki, c'est peut-être Lucifer, je ne sais pas. C'est peut-être Ryu. Alors que ouais, ça se joue vraiment serré. Hein. Ça va passer tous les deux en même temps. L'ascenseur, on n'aime pas passer par le milieu, alors que l'ascenseur est un peu plus petit. Alors qu'on voit clairement que Lucifer et Raki sont un peu devant. Euh, Asuna alors qu'ils vont passer un double tourniquet Asuna un simple tourniquet Ah faut savoir que Asuna tombe comme une pauvre merde alors que Lucifer et Raki viennent de se faire pousser par euh, les deux les deux tourniquets, donc du coup ils ont un boost, sauf que Raki s'est pris un bumper. Donc Lucifer est maintenant très très loin devant. Attention le saut, tout se passe bien. Ouh là là, ça a failli partir du coup. Et Phoenix y tombe Comme une pauvre merde Alors qu'il y a encore moi qui est bloqué dans les tourniquets. Ultra Dimension qui vient de passer ça. Ryuko qui passe cet obstacle un peu hardcore, mais tout se passe bien. Lucifer est sur le point de terminer la course sur les derniers bumpers de la mort. Ouais, ça va. Oh, alors que Ultra Dimension tombe comme une pauvre Et qu'on a... <laughs> J'ai cru voir quelqu'un partir très loin. Oui, Lucifer qui est parti, je m'en me, je doutais. Sur le dernier gros obstacle, le dernier bumper. Alors que Raquel fait demi-tour. Sur le bumper, c'est bien. il est encore vivant, tout va bien. Moi-même, je suis encore assez loin. Non, j'ai rattrapé mon retard du, du, du coup. On a Ryuko qui est complètement bloqué. Il n'arrive pas à sortir de cette situation. Donc du coup, le record reste à Ultra Dimension à cause de cette connerie. Ryuko termine la course. Euh, Raquel qui, qui est revenu du coup. Et. Oh, je me prends un bumper de l'autre côté! Super Alors, Raquel, lui aussi, va se reprendre le bumper de l'autre côté Allez, <laughs> on est reparti, troisième fois. Ah, oh, mais non, le record <laughs> Allez, on va y arriver. <laughs> on va y arriver, finissons cette course. Il reste encore une minute 11, la fin de la course commence à arriver. Ah, ce dernier obstacle de la mort. Donc, il y a deux gros bumpers. Et Lucifer, qui était bien parti, s'en est pris un sévère. Ça y est, Raquel termine la course, il reste plus que moi. Je, je crois que c'est le pire, c'est... Ah bah j'ai rejoint Lucifer, voilà, je suis tombé comme une pauvre merde. J'ai rejoint Lucifer, très bien. <laughs> voilà comme ça, comme ça, on a bien vu comment est mort Lucifer. Je crois qu'il n'y a que Phoenix on n'a pas bien vu, mais c'est parce que il s'est mal réceptionné. Il y a eu pas mal de, de morts. Hein. Ah oui, il y a eu que deux et que deux viewers, voilà. Ryuko et Raquel. Qui Ryuko qui vient d'arriver, il a fait hop, allez, je vous montre comment on termine une course, nickel. Notre like this, notre like this. J'aime pas. J'ai eu horreur. Euh, non, mais le record, euh, on s'en fout. Les poteaux merde. Ok, au moins je suis pas seul. Voilà. Euh, cool story, Bob. Cool story, Bob. Ça, c'est les, les ébotes. Asuna morte comme une pauvre merde. Ori mort comme une pauvre merde. T'es mort comme une pauvre merde. Oh, c'est Asuna qui. Phoenix, lui, misérable. De toute façon, ouais et toi, on meurt ensemble. On vit ensemble. Fromage. alors pas fromage. Euh, Ryuko nous envoie des petits émotes. Et donc, on récapitule. Ryuko qui gagne la course, du coup, euh, alors que c'était censé être Lucifer jusqu'au dernier moment. Hein, euh, grande surprise générale. Raquel, Bubbleman et Asuna, la grosse fiote qui est tombée euh, comme une euh, sacrée pauvre merde. C'est hein, si que j'ai envie de dire. Allez, suivant. Alors que voilà, ça spam du fromage. Pourquoi vous faites du fromage C'est pour le live d'Araka, ça. Non, pas la boule de neige. <laughs> j'ai perdu à la boule de neige, j'étais bloqué. Je ne vais pas être bloqué dans cette boule de neige, s'il vous plaît. Ah, ça fait play 33. Ça avait pu faire 166. Ça ne marchait pas très bien. Ah oui, Tradimanso, c'est bon. Raquel, c'est bon. Ryuko, Asuna, c'est bon. Il manque une personne. Je ne sais pas c'est qui. Je crois que c'est Phoenix. Il manque. Voilà, tout le monde est là. Par rapport à la course précédente, en tout cas, tout le monde est là. Donc, je lance la course dans à peu près 15 secondes. Sauf pour ceux qui viennent de revenir, qui oublient de faire un point d'exclamation play et pour ceux qui veulent nous rejoindre. 10 secondes. Et je fais CTRL V. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Good luck have fun à tous. Laissez-moi gagner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît, important. Alors, le record est à Big Ben. Hein. Big Ben joue finalement avec nous, euh, sans jouer avec nous. Et je suis encore bloqué dans la boule à neige, j'espère que je ne vais pas y rester. Asuna est dernière, voilà. Euh, Essayez de la gagner, ben, il si, faudrait qu'elle fasse un petit effort quand même. Euh, C'était la course de chauffe, c'est la course que j'ai perdue parce que j'étais bloqué là-haut. Donc là, cette fois, c'est Asuna. Ça y est, tout le monde a passé la boule à neige. Il n'y a pas eu de mort débile dans la boule à neige. En Faites pas comme moi, hein. restez bloqué pendant 1 minute 30 là-haut. Ensuite, on avait euh, du coup Raquel qui est premier, qui va passer euh, les zones euh, qui se séparent. Faut bien les prendre, sinon on est ralenti. C'est la bille la neige. Raquel qui, a, qui est pas loin du record. Ça peut jouer au niveau des machines à laver. Hein. Ça va être surtout là-dessus que le record va être joué ou pas. Euh, ça, c'est sûr. En tout cas, Raquel s'en sort pas mal pour l'instant. On a un. Une petite zone de Bumper, attention, alors je vérifie de les deux côtés parce que ça peut mal finir tout ça Avant d'arriver à la machine à laver, Raquel a l'air de bien se passer, Ori Donc moi-même, euh, Ryuko est le premier à passer une machine à laver de la mort Si vous voyez un pseudo monté c'est que c'est un Bumper qui s'est mal passé Pour l'instant personne n'a réussi à passer euh, d'une traite la machine à laver alors que tout le monde est passé devant on a toujours euh, moi-même qui fait des tours de euh, Lucifer et Ryuko qui viennent de passer les deux premiers alors que le record vous pouvez voir qu'il est encore dans la machine à laver donc ça a l'air d'être bien parti pour être battu attention Lucifer la dernière fois qu'il est arrivé vers la fin il est mort comme une pauvre merde pour l'instant tout se passe bien il peut y avoir des morts au niveau de la machine à laver hein, tout peut arriver mais pour l'instant ça a l'air d'être bien parti pour que ce soit Lucifer qui gagne cette course suivi par Ryuko et les autres sont encore bloqués alors que Raquel vient de finir le à son tour donc il est parti pour être troisième alors que Lucifer vient de finir la course et bat le record de Big Ben. Ryuko, deuxième. Euh, Raquel, troisième. Phoenix, quatrième. Asuna, cinquième. Ah, cinquième qui se dispute avec moi. Mais <laughs> cinquième. Euh, Moi-même, sixième. Ultra Dimensio, septième pour l'instant. Sauf euh, grosse mésaventure euh, de nulle part. Donc là, euh, Raquel, c'est bon. Phoenix, c'est bon. Ah, les trois viewers sont passés premiers. <laughs> la honte La honte à nous Honte à nous. La team viewer lambda a gagné. <laughs> a tout gagné. Tradiman ce qui va finir à son tour. Ouais, petite course qui s'est plutôt bien passée. Lucifer qui monte quand même. Euh, qui voudrait bien finir une course premier. est hein. toujours devant moi. Ouais, mais cette fois, ouais, euh, juste, euh, bah, T'as quand même cinquième. Ça hein. bah, va tranquille. Yes Le GG. Est pas juste. Euh... Est est Il disait qu'il n'est pas content, là. C'est Asuna. Bah oui. Pourquoi je pose la question con. Allez, course suivante. Il reste encore 2-3 courses avant le Grand Prix. Ça continue, je vais avoir besoin de. Oh, là, 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 on va encore avoir la mère patrie, attention. Tous les mercredis, on y a le droit par Ultra Dimension. La mère patrie. Alors, Lucifer, c'est bon. Raquel, c'est bon. Moi-même, c'est bon. Il manque quatre personnes. Asuna, Phoenix, c'est bon. Ryuko, c'est bon. Il manque ultra dimension. Il va, ça y est, il va faire appel à la mère patrie, c'est pour ça. Euh, il va faire appel à la mère patrie. Donc on va l'attendre un peu le temps qu'il fait appel à la mère patrie. J'ai le temps de me servir un verre le temps qu'il fasse la mère patrie. Hein. Ça vous laisse le temps de faire un point d'exclamation play pour ceux qui viennent de rejoindre et qui veulent participer quand même. Hein, on est là pour s'amuser, surtout, on n'est pas là pour euh, insulter qui que ce soit ou quoi que ce soit ou, ou autre chose euh, que ce soit. Hein. On est surtout là pour passer un bon moment et de voir des billes, euh, surtout ceux qui tombent. Ceux qui n'arrivent pas à finir les courses, on est bien se foutre de leur gueule. C'est le seul moment où on aime bien se foutre de la gueule du monde. Point l'escalavation play, il ne reste plus que 15 secondes, même moins de 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, trop tard. Ce sera la prochaine fois, vous n'inquiétez pas, il y a encore quelques courses. Et je pense qu'on est parti pour un grand prix, on est assez nombreux. Et du coup, good luck, have fun pour les 7 personnes qui participent à cette course. Oula, Asuna a l'air d'être bien partie alors qu'elle est rejoint, elle a rejoint par tout le monde. Et du coup, elle a du mal à retomber. Et c'est du coup Ryuko qui lance ses hostilités, suivies par Phoenix. On a Asuna, moi-même, Ultra Dimensio et les autres que je vois pas. J'ai pas fait attention alors que ça a l'air d'être moi qui... Non, c'est Raki... Attends, c'est qui J'arrive pas à suivre. C'est Phoenix qui a passé l'entonnoir en premier, le, le pseudo Kedo de rien du tout. On a après Asuna, moi, Ryuko, Ultra Dimensio, Raki un peu plus loin derrière, et enfin Lucifer, euh, pour l'instant, dernier, alors qu'il va y avoir euh, des obstacles what the fuck un peu plus loin. C'est esteban euh, 4470 qui a le record de, euh, de cette course euh, de live, un record de live, hein. on prend pas en compte les records du monde, hein. le truc invincible et imbattable. Alors là, il y a eu des sortes de boosters qui étaient un petit peu invisibles, qui ont ralenti, mais c'est bon. Phoenix et Ryuko se disputent la première place, et du coup, c'est Ultra Dimensio qui est qui le dernier mot. Alors que ça part dans tous les sens. Euh, il peut y avoir des portails, il peut y avoir un peu de tout, il hein, faut faire gaffe. Phoenix a l'air d'être bien parti pour en prendre un. Voilà, et... ça a pris des portails. Oh là là oh là là Moi-même et Phoenix, on a eu peur, mais on est passé au niveau du tourniquet. Merci le tourniquet de tourniquet nous ralentir. Alors qu'on va avoir une phase de bumper. Ultra qui passe nickel entre tous. Et donc il est parti pour battre le record. Ah non, Esteban euh, était parti, putain la vache. Ah oui, il avait pris le portail là-haut, il s'est envolé. Alors voilà, pour l'instant, tout va bien. Ryuko, Phoenix, je fais attention à ça. Ultra Dimension a l'air d'être parti pour finir la course. Donc tout va bien. Moi-même, l'ascenseur, ça se passe bien. Ryuko, l'ascenseur, ça se passe bien. Phoenix, ça se passe bien. C'est à Raquel maintenant d'essayer de passer les bumpers. Alors qu'Asuna adore toujours hein, le, le tourniquet, c'est pas son truc. On me demande un, un Blue Non, ça c'est le, le lundi, c'est sur San Andreas, le bluebird. Sur la radio, la radio San Andreas. Alors Ultra Dimension qui finit premier, moi-même deuxi... deuxième. Qu'est-ce que je fais là C'est pas moi qui est avec Asuna. Ah non, c'était Lucifer. Je sais pas ce qu'il, je sais pas ce que faisaient tous les deux là-bas, mais bon, j'ai cru que c'était moi. Comme quoi, je peux être jaloux. Hein. Donc je finis deuxième, tant mieux. Phoenix et Ryuko. Phoenix troisième, Ryuko quatrième. Il reste toujours Lucifer. On ne sait pas s'il va finir la course ou pas, parce qu'il a toujours les bumpers. Attention Lucifer. On voit assez loin, on voit la petite bille blanche là. Enfin, moi je vois bien, je sais pas vous si vous voyez, mais moi je vois. Il a l'air d'avoir passé, tout se passe bien, mais bon il va finir. Faudrait quand même qu'il finisse quand même. Allez, voilà c'est passé. Alors que on a euh, Raquel qui vient de terminer et Asuna qui est sur le point de finir. On n'attend plus que Lucifer. Alors que la mère patrie vient d'être lancée par Ultra Dimensio. On Laisse le temps de me moucher. On attend, Lucifer. On attend, Lucifer. On attend, Lucifer. C'est long Ah oui, alors que la fin de la course commence à essayer de rattraper Lucifer, faut se dépêcher un petit peu quand même. Parce que Ça va aller très très vite après. Allez Lucifer, vite, 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 vite pas être trop lent, mais c'est bon, ça passe, nickel. C'est joué à 5 secondes quand même. Je prends mon temps, ok Bah pas trop hein, c'est pas loin quand même. Tu pas loin d'être gerté comme une pauvre merde pour euh, lenteur. Mais bon, tout le monde est arrivé, Sénésauf, Ultra Dimensio, à toi. Avec la puissance de la mère patrie Ah bah rien d'autre à dire, Il hein. n'y a pas eu mort d'homme, rien du tout. Il y a eu juste eu un petit moment stressant, mais tout le monde a bien réussi. Franchement, c'était une belle course. Bravo à tous. Il euh, n'y a pas eu un passage où ça s'est joué de peu oh, une seconde près ici. Non, sinon, Rien ça... de bien méchant. Rien de plus. Allez, il ne reste plus que deux courses, j'imagine, hein, je pense. Euh, le temps de faire euh, ouais. deux courses et après ce, ce sera le grand prix si vous êtes assez nombreux. Logiquement là c'est toujours bien parti. Il hein. a toujours Raquel qui est toujours là. Frais Dispo pour ce soir. On a Lucifer qui est frais Dispo. On a Phoenix, Asuna. Ça fait 5, Ultra Dimension 6, Ryoko, tout le monde est là. Tout le monde est là, lancement dans 15 secondes, sauf des nouveaux qui veulent faire un point d'exclamation play. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, rien ne va plus. On est sur ce Guntlet 2 et c'est Hugo qui a le record justement. Il était là ce soir mais on ne le voit plus. Et ça commence avec un petit Keno. Le Keno. Le Keno qu'on. Je ne sais même pas si ça existe encore comme jeu d'ailleurs. Alors on a Raquel, Phoenix. Euh, ça va beaucoup se bousculer là. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. On a Phoenix et Ultra Dimension par exemple qui se sont bousculés. Et c'est pourtant Raquel qui est parti euh, devant, qui passe un petit tourniquet. Alors que moi-même je passe devant avec Lucifer du coup. On essaie de rattraper le record, mais attention, il y a 50 bumpers, c'est une course extrêmement dangereuse. Parfois, il peut y avoir que full mort. Je crois que c'est une des courses où il peut y avoir... tout le monde peut mourir. Il faut faire extrêmement attention. Pour l'instant, tout se passe bien pour tout le monde. On arrive dans la zone avec le tunnel, on peut mourir sur le tunnel. Pour l'instant, ça a l'air d'être moi suivi par Lucifer. Ensuite, on a les autres qui s'en sortent plutôt pas mal. Rien que ça se passe bien, Phoenix, ça se passe bien. Ryuko, ça se passe bien. Asuna, ça se passe bien. Ultra Dimensio, ça se passe bien. Alors qu'on est en train d'entamer l'entonnoir du côté de moi contre Lucifer. Et on va avoir un, une petite phase de petit bumper qui va juste ralentir un petit peu. On a vraiment Phoenix et Raquel qui nous suit euh, de peu quand même. On a Asuna, on a Ultra Dimensio qui est encore bloqué tout là-haut. On ne sait pas ce qui lui arrive. Ouais, c'est que plus le temps passe, plus je suis obligé de suivre les premiers de la course donc du coup on voit rien. Lucifer qui fait Attends, attends Il est où Lucifer Je ne le vois plus. Ah, Lucifer il a rejoint les autres alors que moi je suis devant avec euh, le tourniquet Et Raquel qui tombe Comme une pauvre merde Qui sera la grosse fiotte de la course euh, Ensuite on a... Donc Phoenix qui passe devant Lucifer qui est bloqué sur le tourniquet On a Asuna qui... Qui a rejoint du coup, il reste plus qu'Ultra Dimensio euh, La mère patrie est tombée, hein, j'ai envie de dire <laughs> Fallait pas envoyer 50 drapeaux Et c'est la chute alors, on a moi et Phoenix qui sommes euh, coup à coude pour un pseudo-obsacle ultra pas intéressant. Et on est pas loin du record. Hein. Ah, j'étais ralenti. Double ralentissement. Mais Phoenix m'a suivi. Donc, du coup, il est ralenti aussi. Cette fois, il n'est pas tombé dans le panneau. Il passe devant moi. Alors qu'on a Asuna qui est passé devant Lucifer, Ryuko. Et on a Ultra Dimensio qui est bloqué au niveau du tourniquet un peu plus loin. Qui risque de tomber comme une pauvre merde. Hein. D'ailleurs, on n'a pas encore vu. Mais ça sent euh, la chute du côté d'Ultra Dimensio. Et si c'est pas le cas, Ouh là là, on va avoir la zone euh, de la mort. Ça y est. <laughs> on y arrive. La zone de la mort entre Phoenix qui va ouvrir les hostilités et moi juste derrière. Non, c'est moi qui ouvre les hostilités. Et je tombe comme une pauvre merde. Et Phénix qui tombe comme une pauvre merde. La première place se joue pour l'instant pas avec Asuna. Qui elle ne se plante pas, qui peut gagner cette course. Et Asuna qui tombe pas. Qui tombe, qui tombe pas. Elle a passé. Elle a passé l'entonnoir, elle est passée par-dessus alors que Ryuko tombe comme une pauvre merde. Il reste encore Ultra Dimensio et Lucifer, sachant qu'elle a fini la course Ultra Dimensio, va falloir se dépêcher. Alors que j'ai un follow, j'imagine que c'est Yam the Sniper qui a fait le follow, j'ai vérifié juste après. Euh, on termine cette course, alors on va regarder surtout Ultra Dimensio parce que là Lucifer est bien parti pour terminer la course, quoi qu'il advienne. Après, ça, savoir si Ultra Dimensio va lui passer devant ou pas. On attend, on attend, on attend Lucifer est complètement bloqué. Et Tradimonsio, qui doit pas passer l'entonnoir et qui part en entonnoir, et qui va finir Bubbleman de la course. Donc Lucifer, troisième, ah oui, c'est un ah, deuxième même. Putain. Il y a eu beaucoup de morts quand même. Je suis pas mort. Non, il est pas mort, Lucifer, ça s'est bien passé. Et on voit la fin de la course qui commence à arriver, sans se dépêcher un petit peu. Je sais que ça a pris beaucoup de temps pour Lucifer, mais il faut pas faire pareil. La course assez loin, le Chitasuno. Ah, il, y a eu... il y a eu beaucoup de morts hein. quand même. Il y en a eu pas mal. Allez, on récapépète. Euh, je vais commencer par vérifier le follower quand même. C'est bien. Il y a Yann the Sniper. Donc Yann the Sniper, je vais l'appeler comme ça. Merci pour le follow. Ça fait plaisir. Et donc, pour résumer cette avant-dernière course, euh, avant le Grand Prix, nous avons Asuna qui est coiffée au poteau, moi-même euh, et Phoenix. Ryoko qui est tombé euh, au début de la. Non. Raquel qui est tombé au début de la course, Ryoko qui est le dernier euh, alors qu'il était au même niveau que Lucifer. Lucifer et Ultra Dimensio qui ont fini la course tranquillement. En tout cas, Asuna, euh, grand vainqueur de la course. On a euh, Ultra Dimensio, euh, Bubbleman, c'est celui qui a fini dernier euh, correctement, hein, qui a bien fini la course en dernier. Et Raquel qui est le premier à tomber et la grosse fiote de cette course. Suivant toi qui disais que j'allais tomber. Je te demande un coupage de tête. Rivalité entre Phoenix et Asuna. Ils se connaissent plutôt pas mal quand même maintenant. Alors, euh, je vais rejoindre quand même. On a, toujours... a Raquel et Lucifer qui nous... qui s'est passé. Et on arrive sur la dernière course, logiquement, avant le Grand Prix. Ça a commencé un peu plus tôt que prévu. Alors là, on a d'un seul coup... Euh, wow, 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 wow. Ultra-dimension, Phoenix. Yann the Sniper. Euh, le pharaon Le Pharaon Athem, <laughs> d'accord. Nickel Chrome, ça va très bien avec mon pseudo. On va avoir une rivalité tous les deux, je le sens. Euh, J'aurais dû m'appeler Dart si j'avais su. Euh, du coup, on est 9, 2 de plus. Euh, attention parce que là, je vais avoir du mal à, à voir. Donc là, je vois le nombre 9, c'est plus que 7 par rapport à la course précédente. Donc euh, n'hésitez pas à refaire un point d'exclamation. Play, si vous n'êtes pas sûr, je lance la course dans à peu près... Euh une euh, 10 secondes allez 10 5 4 3 2 1 top Allez je compte sur toi ma vie Elle a passé sur un Kravchenko dès le début alors qu'Asuna a l'air d'être très très bien placée, elle est très très bas hein hein et Lucifer aussi ils ont mordu la ligne là Il y a mordage de ligne j'ai envie de dire alors on est neuf, un hein. Good luck fun pour tout le monde, alors que c'est finalement Phoenix et moi-même qui prenons plutôt pas mal ce Krachenko jusqu'à la fin, qu'il faut tenir. Et c'est Phoenix qui s'en sort plutôt pas mal, suivi par Yann The Sniper. Ensuite on a Ultra Dimensio, moi-même, et tout le reste, parce que euh, là euh, même moi j'arrive pas à lire. Hein. C'est un bordel de pseudo. Ouais. des pseudos partout. Le record est euh... Darko Company, c'est vraiment sa Frozen 2. Pourtant, c'était moi qui avais le record et je crois que c'est celui avec euh, des cailloux partout. Ah non, c'est celui où ça se sépare en deux de partout, c'est le bordel. Il y a un flocon mortel, attention. Il peut y avoir quelques morts quand même. Rache pas trop la marmotte. Chip, hyper vitesse. Donc là, on va arriver sur une phase extrêmement longue et chiante dans laquelle on se sépare en deux. Eh, si, il y a bien des chutes de pierre de partout. Euh, ceux qui passent par le côté gauche sont plutôt pas très bien niveau euh, obstacle. Et pourtant, j'y vais comme un débile. Il euh, y a des stalactites qui tombent. Ah tout va bien, ça, ça a disparu pour passer le prochain obstacle. Donc du coup, Yann the Sniper, à Asuna, ça, ça se passe plutôt bien. Phoenix et Raquel qui ont été ralentis un petit peu par l'autre la, séparation. Il y en a encore 3-4 comme ça. Hein. Une course plutôt longue en plus, c'est très bien pour lancer euh, euh, le Grand Prix euh, juste après, donc euh, vers euh, 22h30 logiquement. Euh, alors, je vais avoir du mal, Donc, apparemment ça a l'air d'être Yann the Sniper qui a pris beaucoup d'avance, ensuite Phoenix s'est mal réceptionné, on a Rakiel et Asuna, moi qui les rejoins, euh, Yann the Sniper qui va passer un pseudo, oh, ça a l'air d'être un obstacle plutôt pénible, alors que Phoenix vient de se prendre des débris de stalactites, et du coup ça l'a ralentit. on a Asuna qui commence à passer à son tour, moi-même je passe, le pharaon Atem qui est juste derrière moi qui m'en me... qui veut à mort, il m'en veut à mort on n'est pas sur Yu-Gi-Oh! On est sur Marble and Stream. Je sais qu'il y a de la rivalité, mais au point de me... Viens <laughs> ici. Il y a des règlements de compte là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, ça, ça ne dérange pas euh, Raquel pour l'instant qui s'en sort plutôt pas mal hein, sur la course. Suivi par Asuna et Dark Company, donc le record, qui est juste derrière. Donc pour l'instant. Euh... D'ailleurs, il y a Yann The Sniper qu a pas vu, que j'ai pas vu, je me disais. Euh... Raquel, euh, c'était Yann the Sniper qui était premier. Et qui ont eu du mal à passer cet obstacle. Donc, du coup, ils auront du mal à battre le record d'un seul coup. Il reste encore une ou deux séparations. Allez, deux dernières séparations. C'est toujours Yann the Sniper qui est premier. Voilà, suivi par Raquel qui a dépassé Asuna depuis euh, la précédente euh, interception. On a moi-même, Phoenix, euh, le Pharaon, on s'est séparés. Ça y est, séparez-vous. Lucifer qui est derrière moi. Alors qu'on a... Oula là, 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 Yann the Sniper qui a été touché par des débris de euh, et Yasuna qui passe du coup devant euh, Raquel et Yann the Sniper. Raquel qui passe à son tour. Alors que Yann the Sniper qui était très très bien depuis le début de la course commence à être dépassé par tout le monde. Je suis pour l'instant troisième. Yann quatrième 5 cinquième. Le pharaon sixième. Lucifer septième. Euh, il manque Ultra Dimensio et Rio. Rio, on les a pas trop vus. Hein. Ils ont vraiment euh, plus d'une un, intersection de retard, on va dire. Euh, ouais, euh, quasiment. Hein. Ouais, une intersection de retard. Bon, le record ne pourra plus être battu. En tout cas, Asuna euh, passe devant. Je la suis. Euh, alors que je vais être bloqué. Euh, non, je suis pas bloqué par les stalactites. Je suis en train de rattraper Asuna. Et, ah, le dernier petit débris qui a pas disparu à temps. Donc du coup, c'est Raquel qui passe du coup devant parce qu'il est, est passé avec pas mal de vitesse. On a Asuna, Yann Sniper, pour l'instant on est toujours le top 4 qui n'a pas trop changé pour la fin de la course en plus. Et c'est Asuna qui a l'air d'être bien parti, suivie par Raquel juste après, attention. Asuna première, Rakiel, deuxième, moi-même troisième, Yann Sniper quatrième de très peu par rapport à moi, Phoenix cinquième, on a Lucifer et le Pharaon, attention, le Pharaon... Sixième, Lucifer septième. Il ne reste plus que deux personnes qu'on attend. Ryuko et Ultra Dimensio qui ont largement euh, le temps de, de terminer cette course. Attention, la dernière place va se jouer. Qui va être le Bubble Man Il n'y a pas de grosse Fiat, personne n'est mort, tout va bien. Du coup, Asuna qui va remporter cette ultime course avant le Grand Prix. On va avoir 10 minutes d'avance, je suis désolé. Mais je pense qu'on est assez nombreux pour faire euh, tout ça. Hein. C'était un peu le but hein, d'ailleurs. Donc euh, là, maintenant, il euh, va y aller. Hein. Alors que ça envoie des petits émotes euh, au passage. Donc. Euh, Ouais, Yann the Sniper qui était euh, premier, puis Raquel et juste après Asuna parce qu'il y a eu des stalactites à un moment. J'ai failli la redépasser à un moment, mais il y avait un petit débris de stalactites qui n'a pas disparu à temps. Donc, du coup, euh, Raquel a, qui avait pris de la vitesse, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Euh, Asuna est repassé devant. Euh, je n'ai pas trop compris pourquoi. Il y a eu du GG, nickel. Enfin, Votre avoir pas mal de monde. Ah oui, On va lancer justement le Grand Prix. Allez. Euh, je vais dans les races menu. On va lancer un grand prix. Alors, les grands prix ici, ça se passe. Ça va être 10 courses à la fin de la 10e course et fin de live. Donc, euh, vous avez plus de chances d'être premier si vous enchaînez toutes les courses jusqu'au bout. Donc, j'espère que vous pouvez tenir jusqu'à tard ce soir. Logiquement, un grand prix, j'ai vu en moyenne, c'est entre 45 minutes et 1h30. Ça dépend si je prends mon temps ou pas. Comme vous pouvez constater, entre chaque course, je fais un petit débrief de ce qui s'est passé. Hein. Et donc je vais lancer des randoms, sachant que si je tombe sur The Unted, je le kick direct parce que c'est une course très longue et très chiante qui sert à rien. Il n'y a pas trop de randoms. Alors on a quoi On va voir. Bim, allez, le kick. <laughs> le hunted. Euh, Temple Steve, je crois que c'est le truc euh, japonais sympa. Pixel Raceway. Ah, il n'y a que deux courses, non, j'en veux dix. Plus de courses! Marble dinner. Cosmic Chaos. C'est Factory, ça j'aime bien. Ah, pitié, pas le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez les 10 courses. Ce sera sans moi. Ça va être super long, non plus 10 courses. Je ne suis pas sûr. Ouais, non, non plus, ok. Je reste sur ma victoire, MDR. Ouais, chose Bon, c'est pas grave. On va lancer. Mais je crois qu'il y a la course que je déteste. Il faudrait que je me rappelle euh, du nom. Mais until non, on va pas le faire, il est trop bon. Allez, c'est parti pour ce grand prix de la soirée. Ça faisait ça faisait deux soirées que j'ai pas pu en faire parce qu'il manquait du monde et on commence. Ah oui, euh, non, templo Steve. Euh... Je crois que c'est. Elle est ah, mortelle celle-là. Bon, ça commence déjà par du lourd. Il hein. n'y a pas eu de vainqueur chez moi en tout cas. Allez, c'est parti. On commence les plays. Raquel. Héronix, tiens, MJ c'est mis ça. Ah bah il y a du monde. Alors attention. Hein. Il y a cette personne qui ne pas vous dire qui est présent, qui n'est pas présent. Hein, donc va falloir faire attention. Je laisse pas mal de temps quand même entre chaque course parce que c'est quand même un grand prix. Je laisse euh, une trentaine de secondes. Félix, tu gagnes. Bonne nuit Asuna. Bonne nuit Asuna. Merci d'être passé quand même. Ça manque de VIP. Hein. Il y a mes VIP sont tombés. Maintenant, j'ai que des viewers. Et eh bien, ceux qui ont été VIP risquent de plus être VIP et ceux qui sont là ben, risquent de devenir VIP hein, s'ils restent bien fidèles pendant un certain temps. Attention, je laisse encore 15 secondes avant le, la première course. Ceux qui n'ont pas fait point d'exclamation, play, je ne peux plus vraiment vous aider. Alors que ça dit bonjour euh, par-ci par-là, ça me fait plaisir. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti pour ce grand prix de cette soirée. Vous de le à tous les nouveaux aussi. Hein. Alors désolé, hein, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux, je n'ai pas pu vous donner. Apparemment je suis bien, là je suis en avant, le problème c'est qu'il va y avoir euh, le boost. Alors là ça a beaucoup beaucoup se bousculer. On est neuf pour ce début de Grand Prix. Alors après c'est une question d'endurance. Hein. On est parti pour à peu près une heure, logiquement. Une heure de Grand Prix. Alors on a Ultra Dimensio, le Pharaon Atem, Ori, donc moi-même. Euh, on a Missa, on a Raquel, on a Eronix, Ultra Dimensio et Raquel. Je crois que j'ai oublié personne, logiquement. Alors que c'est Ultra Dimensio qui passait passé devant pour la suite de la course. Course qui n'a pas encore de record dans mon live, hein, donc euh, c'est le moment de, de briller, les gens. Pour ça a l'air d'être bien parti pour Ultra Dimensio, suivi par le Pharaon Atem, puis Ryuko, puis Yann, Yann the Sniper que je t'ai oublié, excuse-moi. MJ, Missa, Raquel, moi, Phoenix, dernier. Ah non, Eronix, dernier. Pardon. Il y avait un petit retardataire un peu plus loin. Alors que le tourniquet s'est plutôt bien passé pour Ultra Dimensio, suivi par Missa et Yann the Sniper, qui est en train de passer un petit passage qui se sépare en deux. Alors, attention parce qu'il peut y avoir des chutes là, ça peut être euh, ultra dangereux. Pour l'instant, Ultra Dimensio va passer le tourniquet. Le tourniquet qui va remettre en question le classement en général. Euh, C'est Yann the Sniper qui a passé euh, son tourniquet lui de son côté. Ultra Dimensio qui suit juste derrière. Missa et Ryoko euh, font des tours euh, complets. Euh, on a toujours Ultra Dimensio qui se bat contre Yann the Sniper qui est premier Yann the Sniper. Ultra Dimensio deuxième. Pour l'instant, j'ai vu personne d'autre passer les tourniquets. Je crois que si moi je suis passé. Phoenix va entrer dans le tourniquet, alors que là on a un gros gros tourniquet qui peut faire extrêmement mal. Yann The Sniper l'a passé extrêmement bien. On a Ultra Dimenso juste derrière. Moi-même, troisième. Missa, quatrième. Alors qu'on va arriver sur les derniers obstacles avec les entonnoirs euh, et l'arrivée qui a l'air de bouger un coup à droite, un coup à gauche. Donc attention, il va y avoir beaucoup de RNG sur la fin de la course. Pour un Grand Prix, c'est très bien pour une première course. Une très belle course de, de Grand Prix, ça. Donc Ultra Dimensio tente sa chance de l'autre côté. Alors il y a le sniper qui va tomber. Attention, faut pas que l'arrivée bouge. Faut pas que l'arrivée bouge. L'arrivée qui bouge pas, il y a le sniper qui... Oula Pile poil Alors qu'Ultra Dimensio doit tomber, c'est le moment. Aïe aïe aïe, pour moi ça a l'air d'être très mal parti. Alors qu'il va y avoir Missa qui va bientôt arriver. Et je passe troisième. Tout va bien. Missa, il faut pas que tu tombes. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Eh non Ultra Dimensio et moi on est tombés du coup Mais qu'est-ce qui s'est passé Maintenant on a fini la course, donc euh, ça compte pas, on n'est pas tombé. On a fini la course et on est tombé. Le pharaon Atnem qui tombe. Et Raquel aussi qui tombe. Comme des pauvres merdes. Les deux, premiers, euh... des deux premières merdes euh... de ce grand prix. Et ça va être la The Grosse Fiotte euh... pour l'instant. On a... on a le pharaon, je crois, euh... première grosse fiotte euh... de ce grand prix. Je rappelle Ultra Dimensio et moi, ça ne compte pas vu qu'on est déjà euh, arrivé avant de tomber. Hein. Ça se permet de critiquer. Ah la Phoenix et tout, tout le monde tombe. Ça y est. Tout le monde rejoint comme des pauvres merdes. Et donc, Yann the Sniper qui finalement a fini premier, suivi par Ultra Dimension, et moi-même. On a euh, Eronix qui est le Bubbleman qui s'en sort plutôt pas mal. Et on a Raquel et le Pharaon qui tombent exactement au même endroit parce que ça a bougé. Alors que pour le Pharaon à thème. Je trouve ça un peu scandaleux parce qu'il est tombé au moment où le truc a commencé à bouger. C'est dégueulasse. Mais bon. Du coup, pour le classement général, je regarde surtout les trois premiers. Ça a l'air d'être Yann euh, the Sniper pour l'instant, premier, Ultra Dimensio et moi-même. Les autres, il y a encore toute leur chance. Le Pharaon et Raquel, il va falloir se ressaisir. Sachant que le Pharaon, pour l'instant, est le, la grosse fiotte de la course. On passe à la course suivante. On ne s'inquiète pas pour ceux qui n'ont pas rejoint. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pendant ce Grand Prix. C'est ça qui est, qui est rigolo. C'est que vous pouvez arriver, gagner deux courses. Et en fait, vous gagnez le Grand Prix alors qu'il y en a qui ont commencé depuis le tout début. C'est que la deuxième course, on s'inquiète pas. On va être sur Pixel Raceway 2. Cette deuxième course de Grand Prix. Alors on est censé être neuf, logiquement. Donc faites attention à vos pseudos. Pour l'instant, je vois que Raquel, Yann the Sniper, tout va bien. Radimonsio c'est bon. Il laisse pas mal de temps parce qu'on est quand même assez nombreux. Euh, Phoenix c'est bon. Ayuko, le pharaon Athènes. Il manque deux personnes. Deux personnes que je n'ai pas encore nommées. Euh, voilà. Vous regardez sur la liste, je vous laisse à peu près... Euh, une vingtaine de secondes. Je crois qu'il manque Eronix, par exemple. 15 secondes. Bon, ils sont longs, bien. Un second, hein. Allez, il ne reste plus que 10 secondes, les gens. 10 secondes avant le lancement. 5, 4, 3, 2, 1. Aïe, il y en a deux qui sont partis. C'est Pas grave, rater une course, c'est pas très grave. En rater 2-3, euh, par contre, ça commence à être assez grave. Il euh, y a bien Yann de Sniper quand même, ou pas Parce que... Ouais, c'est bon, tout va bien. Les, le top 3 est là, en tout cas. Pour Pixel Race Wave, qui c'est Big Ben qui a le record, on passe un petit Kravchenko tranquille. Et Yann de Sniper monte qui veut être le grand champion de cette course. Hein. Il le passe euh, tranquille, peinard. Alors que Phoenix va essayer de lui café au poteau. Et Phoenix ça vient de coiffer au poteau. Yann euh, The Sniper pour le Krapchenko. Alors que Yann The Sniper se laisse pas faire là. Il pousse, il pousse, il pousse. Alors qu'il y a derrière Raquel et Ryuko qui vont essayer de passer. Attention, petit slalom de pneus. Et là on va enchaîner euh, ouais, plein d'obstacles de, de merde de racing où il va y avoir des boosts. Puis après le pneu. Donc là c'est Ryuko qui va se taper le pneu de cette course. Et qui va être complètement freeze. Du coup, Yann de Sniper l'a rattrapé, suivi par Phoenix. Ensuite, on a Raquel. Les autres euh, sont complètement bloqués par les pneus précédents. Sachant que le premier peut avoir l'avantage de voilà, faire euh, à peu près comme a fait Ryuko et Raquel, laisser les pneus euh, ou les bousculer, passer devant et laisser les autres euh, à la traîne. Alors, le record risque pas d'être battu. Eh ben, ça a l'air euh, bien mal parti pour ça. Alors que Ryoko vient de se taper un pneu, très, très très joli pneu, ça a stoppé Raquel et du coup il prend largement l'avantage pour le prochain pneu qui va se prendre dans la gueule. Blum 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 blum, attention double obstacle de pneus, on l'arrête plus. Ça y est c'est parti Ryoko qui va pulvériser des, euh, du record là. Et on est sur l'avant dernière phase de pneus. ou wow, attention il faut pas tomber, hein, faut pas tomber. Donc Ryoko est bloqué sur euh, cet obstacle alors que tous les autres sont bloqués dans les deux autres obstacles. Euh, non Ryuko qui, qui continue à passer, hein, il passe il passe, hein, il force il force. Alors qu'il va y avoir un gros face de pneus juste après derrière. Mais bille sur le terrain. Pour l'instant personne n'est mort, personne n'est mort sur cette course en tout cas. Alors que le record vient de mettre un vent à Ryuko qui est bloqué sur les pneus de la fin de la course. Ça fait des petits slaloms, Alors qu'on a Phoenix qui arrive en tromplons, et Ryuko il a eu peur, il accélère un petit peu. Du coup Phoenix il est un petit peu bloqué mais il va faire son petit slalom. Alors qu'on a le pharaon thème, ensuite Ultra Dimensio qui se battent pour la troisième place. Ou, ou... la deuxième plutôt, ouais, la deuxième place. Mais Phoenix, ça a l'air d'être bien parti pour finir. Alors qu'il y a Ultra Dimension qui arrive et qui, non, finit troisième quand même. Qui a battu euh, à peu près tout le monde. On a Yann euh, the Sniper euh, qu'on a oublié, qui finit du coup quatrième. Alors qu'il y a encore les derniers retardés. De... Il y a moi qui est super loin. <laughs> Donc le pharaon, Yann the Sniper, c'est bon. Il reste encore Raquel et moi, alors que moi-même, je viens de coiffer au poteau Raquel de la dernière place. <laughs> Qu'est-ce que c'est... <laughs> T'as mis... <laughs> Phoenix. On le verra demain, le, le pneu. En clipé. <laughs> Excusez-moi. Donc, on récapitule euh, ce qui s'est passé. Ryuko qui complètement euh, s'en fout des pneus. Donc, ça a été tranquille. Euh, ensuite, on a Phoenix qui est arrivé euh, de... Enfin, si Phoenix qui commençait à arriver, mais qui a coiffé au poteau ultra dimension si je me trompe pas. Il y a eu beaucoup de coiffeurs de poteau, hein. ça s'est joué très peu, une seconde près à chaque fois. Et à la fin, moi qui bat euh, Raquel euh, en finie. Donc du coup, on n'a pas de fiote, on a juste un Bubble Man, c'est Raquel. On est marre de ce jeu, je vais me suicider aujourd'hui. <laughs> je me suicide, mais d'abord je fais un point d'exclamation play. Attends, je mets la prochaine map du coup. Euh, Marble Diner. Marble Diner. Euh, c'est Raquel qui a le record. On l'a déjà fait tout à l'heure, c'est pour ça. Donc, Yann the Sniper moi-même. Voilà. Raquel euh, qui va défendre son titre du coup. C'est pas moi. a clip c'est le pharaon. C'est le pharaon qui a clippé Lol. <laughs> eh ben, on verra demain. Euh, je pense que je vais faire un petit tour de tous les clips, etc. Demain euh, dans un live un peu spécial. Euh, on est neuf. Il euh, y en a deux qui étaient partis qui sont revenus, je crois. Oui, il y avait mis ça. Euh... Ok, tout le monde est là, logiquement. Lancement, du coup, dans Dans 10 secondes. Hein. C'est quand même un grand prix. Je laisse un petit peu de temps pour ceux qui veulent nous rejoindre. Ça m'a fait rire aussi. <rire> bah, je suis là pour. Hein. Le but, euh... c'est d'animer quand même un peu. On part sur 5, 4, 3, 2, 1. Pour l'instant, on a eu deux belles courses. Hein. Deux, deux courses que j'ai bien aimées quand même. Surtout quand on est nombreux, je veux dire, quand on n'est pas nombreux, euh... le, le, le cours de pneus, ça c'est rigolo. Tout peut arriver, il y a pas mal d'aléatoires. Alors qu'on a taper, attention, euh, l'épilepsie, hein. ceux qui font des crises d'épilepsie, euh, ça peut faire un peu mal aux yeux, les couleurs. Surtout quand je fais comme ça. Ah bah voilà, j'en fais la gueule. Donc euh, voilà, j'ai tué deux viewers, je suis très content. <laughs> Alors qu'on part sur Ryuko qui passe le deuxième obstacle tranquillement. Alors que juste derrière on a. Ah, j'ai pas fait le petit check-up, mais. Je crois que. Oh putain, c'est le truc avec. On va avoir une petite phase. Voilà, boîte de nuit avec Ryuko qui se balade tranquillement. Wouh Cherchez les secrets de l'endroit pendant que ça visite. On va faire clipper, il tombe comme une pauvre merde Alors on a quoi On a Marble Bouilli. On a It's Winning Marble, Marble Wonderland, un Marble Wonderland. Un manga, ça, non Fly Marble Fly, Marble Knight, Marble Queen. On va mettre du points. Alors, du coup, on a Ryuko, qui vient de terminer ce petit passage. Suivi par Yann euh, the Sniper, deuxième. Eronix, troisième. Phoenix, quatrième. Après, il y a MJ Misa. Euh. Raquel, moi et le Pharaon à thème et on est ultra Dimensio qui ferme la marche et du coup on va commencer à revenir sur les phases plutôt RNG. Fly Marble Fly, c'est moi. Ah ouais, c'est vrai qu'on a la petite phase What the fuck du comment ça se fait que tout le monde est ralenti à mort ici donc du coup tout le monde coiffe au poteau tout le monde, tout le monde se regroupe pour repartir de plus belle sur la cour j'imagine alors que c'est toujours Ryuko qui passe devant. Personne bouscule personne, non c'est quoi ce délire? Regardez. Ah, si, il y, y a le pharaon qui vient de bousculer Ironix. Et du coup, il n'y a personne là Il ah, y a Ryuko qui est juste euh, devant Yann the Sniper. Et les autres qui sont un petit peu bloqués. Donc, on va voir ces deux-là qui vont essayer de battre euh, le record de Raquel. Alors qu'il y a un autre Raquel un peu plus loin derrière qui est un petit peu à la traîne. Attention, cet obstacle elle peut être mortel. On a vu sur une des courses que les gens ils tombent. Ils tombent. Euh... De, euh, la Phoenix est alors que Missa, Eronix, le pharaon, qu'est-ce qui se passe là C'est un concours de kangourous. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ils ont écouté trop de disco, c'est pas normal. Oui, je fais de la merde en GP, je te l'ai dit. Alors qu'on a Ryuko, Ryuko qui bring. Oh Ryuko, ça se passe plutôt pas mal là. Pour le prochain obstacle. Phoenix, ça se passe bien. Missa, Yann the Sniper qui passe devant du coup. Donc Eronix, Ultra Dimensio, le Pharaon, ouais, tout le monde est passé. Manque plus personne. OK, du coup, Phoenix qui passe le prochain obstacle et qui va finir la course premier. Il reste encore le dernier gros 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 obstacle de la mort, sachant que le record l'a passé que d'une traite. Regardez bien. Attention. Hop, hop. Hop, lui c'est passé. Phoenix c'est pas passé. Il a fait de mi-tour. Donc du coup, il laisse à MJ Mista l'opportunité de passer devant. Qui est en train de passer devant. MJ Mista qui vient de coiffer tout le monde au poteau. Et qui finit premier. Phoenix, il finit du coup deuxième. Bien vénère. Le pharaon qui va finir troisième alors qu'il y a Ryuko qui essaie de le rattraper. Quatrième. Les autres se disputent alors que moi je suis encore très loin derrière. Donc c'est... Eronix, Ultra Dimensio, Ultra Dimensio passe devant Ironix, ça va jouer de très très peu ça. On va regarder le timer pour ces deux-là. Euh, pareil pour Raquel et Yann the Sniper. Il reste plus que moi qui termine la course de, de peu. Mon record, ça va. Alors que c'est ça qui termine la course du coup. Bravo à toi, tu as marqué des points. Alors je fais plus attention au classement, on est tellement nombreux que je ne sais pas qui est premier pour l'instant pour ce grand prix. Euh, J'ai pas le résumé. Phoenix, euh, je crois que c'est la deuxième course où il fait top 3. Le Pharaon, je crois, une fois aussi. Missa, non, parce qu'il a raté la deuxième course. Euh, Moi-même, j'avais fini. Yann, The Sniper, euh, qui avait fini dans le top euh, à la première course, c'est mort. Euh, je fais pas attention à tout le reste. Sachant que on a... Euh... Ultra Dimensio et Eronix, ça se joue. Écoutez bien. 11 millième c'est très peu c'est très très peu ils sont quasiment tombés en même temps c'était ironique que ça avait l'avantage mais ultra dimension a pris un peu de vitesse et du coup euh, le bas de 11 millième on a après raquel et yann aussi qui sont qui étaient pas loin eux aussi mais l'écart est un peu plus grand quand même mais ce 11 millième euh, faut le faire hein. je de très 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 peu Alors, Cosmic KO2, attention. Est-ce que ça va bien porter son nom pour la prochaine Je ne me rappelle plus de cette course. On est à la quatrième. Hein. Euh, join. Ah oui, c'est... D'accord, c'est Big Ben qui a le record, oui. Alors, que ça plaît. Raquel, c'est bon. Yann, The Sniper, c'est bon. Eronix, c'est bon. Missa, c'est bon. Il manque 4 personnes. Ultra Dimensio... Alors qu'on a Hitmo euh, qui faisait pas partie, donc euh, il faut qu'on soit 10 du coup. Phoenix c'est bon. Le Pharaon c'est bon. Il en manque un, logiquement. En moi qui a changé de pseudo, je sais pas. Quelqu'un a changé de pseudo. Ryuko c'est bon, tout le monde est là. Et un de plus encore, donc bienvenue à toi du coup. L'eau c'est bon. Oui. Je lance ta course en 10 secondes. Maintenant 10 secondes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, pour Ritmo, je viens d'apparaître euh, à la quatrième course du Grand Prix, donc tout est à faire, on ne s'inquiète pas. Santé, Ori Santé J'ai pas de thé sur mon pseudo. C'est comme les maisons hantées, c'est... J'ai jamais vu une maison hantée à part les Teen Titans. Alors, ça commence par un, petit... un gros kéno, un très gros kéno. Mon le monde arrive. Oula, le pharaon, Non, c'est pas bon. Oulala, là là, bousculade. Je sais pas du tout qui va passer en premier. Là, c'est vraiment RNG. On commence à être un petit peu trop nombreux. Bon, le record, ça, on s'en fout. Oula, Ryuko et Phoenix. Et là, c'est vraiment du coup d'à coup de partout. Là, je peux pas vraiment vous dire qui est le premier parce que ça se bouscule. Donc, du coup, il y en a un qui passe devant. Puis, finalement, ça repasse devant. Alors qu'on va se taper du looping. Le looping. Il va y avoir des morts là. c'est des jolis loopings très bien faits. Pour l'instant, c'est des loopings qui se passent plutôt pas mal. Deuxième looping On est bien, c'est un très très joli prix. Oh, putain. On a après euh, un tunnel de la mort. Hein. Je me rappelais même pas avoir déjà fait cette course euh, précédemment. Alors on va regarder sur le dernier looping. On a Yan the Sniper, suivi par Ryuko, suivi par Ori, suivi par Utradimensio, Phoenix, Itmo, euh, Itoua, it... ah, ça part ah, Yan the Sniper, suivi par moi, suivi par Eronix. Euh, Ensuite, on sait pas. La preuve, quand j'ai tapé la cinquième place, c'était encore rien de sniper alors qu'il est premier. Oh ah, quoi que, là, il a vraiment beaucoup perdu à cause des bumpers suite à l'entonnoir. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de morts. Il reste encore pas mal d'obstacles avant qu'il y ait des morts. Et oui, il va y en avoir des morts, je le sens. Des pauvres merdes. Qui va être la pauvre merde Alors que Raquel est au coude à coude par rapport au record, c'est très bien. Euh, si, on, si on joue pour le record, c'est qu'on est bien parti pour finir premier sur cette course. Et c'est très bien pour marquer des points pour le Grand Prix. On a Hitmo qui coiffe au poteau qui se passe plutôt pas mal. Il a été ralenti. Donc, du coup, moi, et Missa, On le rattrape et moi, je me fais ralentir. Alors que Raquel vient de finir cet obstacle. On passe au prochain obstacle. Attention, celui-là, il peut être bugué. Et du coup, Raquel s'en sort bien. On passe un pseudo-obstacle débilus. Si on peut appeler ça un obstacle. Et encore 5 bumpers euh, tout moche moisi. Donc, euh, j'ai l'impression que Raquel est bien parti pour terminer la course. Alors qu'il y a nix qui fait tout pour le rattraper comme il peut. Il passe sur le côté. Raquel qui vient de dépasser le record, mais le record lui repasse dessus. MJ Missa qui est tombé comme une pauvre merde au niveau du tunnel, j'imagine. Il n'y a pas de replay, je suis désolé pour Misa Raquel qui termine cette course. Suivi par Eronix On a Ryuko, troisième. On a Yann, Hitmo, non. Le pharaon. Le pharaon. Le pharaon. Suivi par Hitmo derrière. Ensuite on a Yan the Sniper derrière. Ensuite on a Ori. Donc, moi, ensuite on a Ultra Dimensio et Phoenix. Et du coup, Missa bah, Missa perdu. Missa euh, a tombé. Missa a Missa a Missa complètement mis. Hein. Donc, euh, non seulement pauvre mère, mais en plus, grosse fiotte de la course. Du coup, Raquel, grand vainqueur de la course euh, à partir de l'entonnoir, je crois qu'il est passé devant. Et après, on n'a plus jamais pu le dépasser sa glaçon dans l'espace <laughs> En plus c'est le pire c'est que c'était dans l'espace Missa grosse fiotte Le seul qui est tombé du coup Je l'avais dit le tunnel hein. Je l'avais dit Mais comme tout le monde était passé Missa il s'est dit Bah je vais passer aussi et c'est lui qui est tombé sur lui C'est vraiment pas de cul hein. franchement Henri euh... Cassel. <laughs> enfin bref Et donc il euh, traduit Monsieur Bubbleman Sinon GG à tous sauf Misa qui... qui A pas eu de chance Ah The Factory ça c'est ma course Logiquement, j'ai le record si je ne me plante pas. C'est ce The Factory, parce qu'il y a plusieurs factories. Oui, c'est The Factory. Ah, indétrônable, hein. c'est ah, dur. Hein. En plus, en Grand Prix, je suis très heureux de remettre mon titre en jeu. C'est ma course. Hein. Un record à 2 minutes 44, alors que le record du monde a quand même plus d'une minute. Hein. Alors, on est 8. Il manque deux personnes par rapport à la course précédente. Donc, faites attention, hein, il est possible, euh, comme Hitmo euh, tout à l'heure, qu'il il a failli prendre la place de quelqu'un, mais en fait, finalement, non. Donc, euh, n'oubliez pas de faire les points d'exclamation de play. Je vous laisse une vingtaine de secondes pour euh, The Factory. Et donc, s'il y en a un 11e, je ne sais pas qui va nous rejoindre euh, comme 11e personne. Et là, je vois un 12e sniper ici. Alors que je vais lancer dans 5, 4, 3, 2, 1. Et ce sera presque la moitié euh, des courses du, du Grand Prix. C'est le cinquième. On a bien avancé. Je ne sais pas du tout qui est en tête pour l'instant. Hein, par rapport à d'habitude, où il y a toujours les mêmes qui sont dans les deux, trois premiers. Là, c'est très, très RNG. Il y a beaucoup de monde. Hein, c'est des euh, Grands Prix où on faisait 6 euh, ou 7. Hein. Là, 10 personnes, c'est cool. J'ai eu peur pendant deux semaines. Je voyais qu'il commençait à manquer du monde. Mais finalement, euh, ça vous intéresse toujours. Peut être euh, la mode euh, Fall Guys qui commence à être blasé On reprend du Marble. après pour l'instant c'est Ironix qui va entamer en premier, mais attention les ascenseurs sont un petit peu buggés dans ce Kravchenko, hein, je vous connais très bien. Donc du coup on a euh, Misa, Itmo, the Sniper, moi-même euh, bon là on n'est pas, je suis pas parti pour euh, battre la course, mais le record attention le record euh, voilà <laughs> voilà pourquoi j'adore The Factory, hein, ça peut partir en cacahuète très 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 vite. Il y a beaucoup de morts. Attention ici, ici c'est celui là, c'est celui là où il y a beaucoup de morts. Faites attention. Faites très attention, on n'allait pas trop vite. Il hein. ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Euh, pour l'instant tout va bien pour l'ascenseur. Il est bugué, hein. il est très bugué ce truc. Faites attention. Et c'est Ultra ceux qui m'a pas écouté et qui tombe comme une pauvre merde alors qu'on va entamer les marteaux. Je vérifie si moi je suis bien passé quand même. Oui, tout se passe bien. On arrive au niveau euh, des marteaux de la mort, attention missa, s'est pris un coup <laughs> missa, mal <laughs> missa, Bobo <laughs> Alors que ça y est il y a une accélération attention On s'envole vers un tunnel what the fuck Alors on est en train de voir Yann the Sniper qui est égerté Comme une pauvre merde Du coup c'est Hitmo qui passe devant et qui pulvérise mon record Suivi par Eronix qui fait des allers-retours On a Misa qui arrive missa Bobo mais missa toujours vivant Toujours vivant Misa qui entame tranquillement, Ryuko qui passe à son tour. On a le Pharaon, attention, qui va très très vite. Le Pharaon qui prend la tête de la course avec Hitmo. Hitmo qui finit, du coup. C'est toujours Hitmo qui est premier, qui est bien parti pour terminer cette course de l'enfer et qui va battre le record. Donc, du coup, mon titre est bien parti pour être perdu, mais il y a toujours ces petits bumpers de la mort avant la fin. Et donc là, tout a l'air de bien se passer, sauf pour Yann euh, the Sniper, Ultra Dimension qui ne sont pas très bien passés. Il y a toujours la, le dernier gros obstacle de la mort entre le record et euh, Hitmo. Ah là là. Ah là là, attention les bumpers. Et non, Hitmo a l'air d'être bien parti pour terminer la course et de battre le record, suivi par Eronix. Attention Eronix, il y a de la vitesse par rapport à Hitmo. Mais c'est Hitmo qui va terminer la course et qui va avoir le record du coup. On a euh, Eronix, euh, deuxième. Le Pharaon sans nom, troisième. Alors que moi j'arrive en tromblon, mais trop tard, c'est dommage. Regardez ça, j'ai même battu mon propre record. quoique quoi que, je l'ai quasiment égalé. J'égale mon record. Donc euh, en suivant Yoko, Misa ça arrivé, Misa tranquille. Et il ne reste plus que Phoenix euh, qui s'en sort plutôt pas mal. Alors Yann the Sniper qui était favori dès la première course, a l'air d'être très très mal parti pour être top 3 du coup, parce que là il a enchaîné les dernières places, c'est la mort subite. Carton jaune du coup, de sa part. Donc bravo Itmo, euh, record de live, donc du coup tu auras ton pseudo euh, à ma place avec ton time de 2 minutes 29, hein, au lieu des 2 minutes 44, ah ouais, quand même, il, y a, mis, euh, il y a mis 20 secondes hein, par rapport, euh, mais il y a toujours une minute d'écart entre toi et le record du monde, peut-être. Donc du coup, euh, c'était une très belle course, moi j'aime bien Factory, hein. c'est un classique, et en Grand Prix c'est encore mieux. On a Phoenix qui est Bubble Man et du coup Ultra Dimensio, la grosse fiotte, The Sniper qui s'en sort pas mal grâce à Ultra Dimensio. Je l'ai pourtant dit que cet, cet obstacle peut être bugué, qu'on peut tomber. Et qu'est-ce qu'il fait Ultra Dimensio Eh bien il a testé le bug, et il est tombé. Bien fait. fallait m'écouter, il m'écoute jamais Ultra Dimensio. Même dans Super Mario Maker, il fait de la merde. Il me propose des maps qui paraissent pas trop dures sauf deux 3 levels et du coup tous les niveaux étaient durs. Bon, enfin bref, ça c'est la séance du samedi pour ceux qui veulent suivre, hein, parce que je ne fais pas que les lives le mercredi. Alors, ça plaît, il me faut 10 personnes si je me plante pas. Et peut-être plus, Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Là, je ne peux vraiment pas vous, vous aider. Hein. Donc euh, faites attention. J'avais une stratégie imbattable. Et pourtant. Alors, on est 8. Il manque 2 personnes. On a fait la moitié des courses du Grand Prix. Donc euh, à peu près dans 30 minutes. Oui, c'est bon, tais-toi. <laughs> La mère patrie, elle te dit merde. <laughs> Alors, on a quoi C'est bon, Raquel, Yana Sniper, Ryuk, Le Pharaon missa, Misa, Eronik, Phoenix, Itmo et Ultra Soul. Je crois que tous les classiques sont là pour le Grand Prix. Si je peux dire classique. Je lance la course, du coup, dans 10 secondes. Pour les nouveaux qui veulent nous rejoindre. 5, 4, 3, 2, 1, top ah, quand même, que je regarde euh, si on peut voir les scores et l'évolution euh, du Grand Prix, parce que voilà. Par contre, on commence par Krapchenko de très 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 loin, alors que le record est à Phoenix. <laughs> Phoenix, t'as un record à... à défendre. Merde, je me suis trompé de touche. Voilà, hop, le petit Krapchenko, On a Ryuk, euh, Phoenix. Voilà, Phoenix, Phoenix, Eronix, euh, XXXXX. Euh, au coup à coup de tous les deux, exactement au même endroit, mais c'est Hero qui est premier, suivi par Phoenix, et ensuite le pharaon, ensuite Ori, donc moi, et ensuite tout le reste, parce qu'il y a des pseudos qui sont par-dessus d'autres, on a Yann the Sniper dernier. Ah oh, putain, c'est le passage nul à chier, oh, putain. Elle est nulle cette course. Désolé, hein, je ne peux pas proposer que des bonnes courses non plus. Allez, pour la France. La mère patrie française. Enfin, changé, dis donc la mère patrie. Alors, on a toujours le record qui est du côté droit. Hein. Ça, ça a l'air d'être le bon côté. Alors que de l'autre côté, il ben, y, y a tout le monde. Il y a que des viewers ici. Et là, il y a euh, un VIP, un abonné, moi et trois viewers qui, qui veulent nous rejoindre. Euh... La communauté. La vraie. La seule la vraie. Alors, on a Phoenix et son record qui sont quasiment au coude à coude, qui se disputent la première place. C'est rigolo. Hein Hop, c'est le Phoenix de droite qui a gagné. Donc, Phoenix premier, suivi par Missa, Le Pharaon, Raquel, moi. Itmo, euh, Ryuk euh, Ultra Dimensio et Yann the Sniper au euh, coude à coude et ironix qui passe devant, plus ou moins. Alors qu'on va entamer un passage très what the fuck dans quelques instants. Sachant que dans cette course, il faut être au milieu pour être pas mal, sinon euh, on n'est pas bien. Donc attention, il peut y avoir des morts à partir d'ici. Ça commence par le bump de Phoenix, suivi par Misa. Phoenix et Misa, ça se passe bien. Les autres, ça devrait bien se passer, logiquement. Je dis bien logiquement. Ne me contredisez pas, surtout toi, Ultra Dimoncio, qui aime bien me contredire. Alors, tout le monde est arrivé à bon port, tout va bien. On arrive presque à la fin, alors que c'est Missa qui vient de passer devant. Alors qu'on va avoir deux, trois petits passages. Euh, voilà, ça fait un petit détour. Alors que par le milieu, c'est quasiment impossible. J'ai jamais vu euh, quelqu'un passer par le milieu euh, sur cette course jusqu'à maintenant. En tout cas, le record ne va pas être battu, du coup. Alors que tout le monde, euh, qu'est-ce qui se passe il y a du gros bug là, ça fait des droites gauche de partout. Qu'est-ce qui se passe Phoenix, euh... Ultra se dispute la première place. Alors qu'on a le pharaon thème qui vient d'être bouqué par un truc invisible. Il y a plein de trucs invisibles dans les nuages. Et du coup, Phoenix gagne la course, <laughs> conserve d'ailleurs son record. Le pharaon deuxième, Ultra Dimensio troisième. Ryuko quatrième. Putain, je suis loin derrière moi. Eronix cinquième. Raquel sixième. Itmo septième. Missa septième, pardon. On va regarder le time. Euh, Hitmo du coup 8e, Yann the Sniper, 9ème, et moi je termine la course euh, tranquille pour pou pou pou. le <laughs> Bravo Phoenix, hein. c'est ta course à toi, hein. tu le prouves, hein. tu as le record et en plus tu finis premier euh, finalement hein, alors que... Par contre on va regarder Misa par rapport à, à Hitmo, ça se joue à 2 euh... dixièmes hein. 25 centièmes? 125 millième à peu près alors que c'était Hitmo qui a été bien parti, je voyais son pseudo, mais en fait il y avait mis ça qui était un petit peu devant. Ah, hein, on a quand même aussi ironique c'est Raquel qui s'est joué de peu aussi, hein, euh, quelques quelques dixièmes. Hein. Comme quoi, ça les merde Ah bah, ben, un Grand Prix où il y a dix participants, euh, c'est pas facile. Alors The Wrestling Pin 2 pour la suite. Il n'y a pas grand chose, tout le monde est vivant donc euh, grand vainqueur et Bubbleman un hein, premier et dernier. Alors, il n'y a pas eu de, de, de vainqueur, euh, donc c'est la première fois. On va baptiser une course dans un Grand Prix. Mon record, personne ne bat. Alors, on a Yoko, euh, On est 4 déjà. 5, 6. donc 4 personnes. Ah, c'est dur avec le code couleur violet, rouge. Missa, il en manque 2. Il manque de sniper. Voilà, il en manque un. De mémoire, de mémoire, de mémoire, de mémoire, j'ai pas de mémoire. Celui qui n'a pas fait point euh, d'exclamation play, euh, c'est le moment. Essayez de vérifier. Ryuko, Raquel, Tradimensio, le Pharaon, Eronix, Phoenix, Misa, and the Sniper. Qu'est-ce qu'il manque Il manque, manque quelqu'un, sûr. Je, je sais plus. Rappelez-moi en faisant un point d'exclamation play, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui manque Pas ironique s'il est là. Euh, Ryu, il est là. Enfin, je l'ai vu. Ah bah, je crois que c'est. C'est Hitmo, non Hitmo, il a fait que passer. Ah, il manque Hitmo. Hitmo, je laisse 15 secondes. Je vérifie. Ouais, il manque Hitmo. Ah jamais perdre espoir. Alors itmo, attention, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, top, trop tard. Déjà septième course quand même, on n'est plus que 9 à nouveau, c'était les 9 euh, originels on va dire. Donc les 9 sont là depuis le début, tout va bien. Sachant qu'il y en a 2 qui ont raté une course hein, au passage. Alors, un beau Kravchenko pour commencer. Je connais pas trop la course. Hein. Ah oui, je la connais pas du tout, la course. Alors, je sais pas ce qui se passe. On a une flopée. Alors qu'Ironix est tombé Comme une pauvre merde Il profitera pas de la fin de la course. On le verra plus. Et le pharaon à thème qui tombe Comme une pauvre merde Il est dans le royaume des ombres. Ça y est, il est parti. Ryuko qui va finir ce, cette grosse phase de. Ben, heureusement qu'il n'y a pas Asuna. Hein. Parce que des tourniquets, il y en a un, veux-tu en, veux en voilà Alors que iraki moi, Ultra Dimension, on est bloqué là-bas. Alors qu'il va y avoir un tunnel de la mort ici. Un beau tunnel. Phoenix et Ryuko se disputent euh, dans ce tunnel. Attention, ça peut mal finir cette histoire. Vraiment, tout s'est bien passé. Ils vont entamer. Ils... Comme des pauvres merdes, tous les deux. C'est une tombée ultra hardcore. faut faire extrêmement attention et les tomber très, très, très lentement. Attention au le tunnel de mon côté. Ultra Dimension qui est tombé! Comme une pauvre merde! Il y a beaucoup de morts sur cette course. Hein. Tout, tout est à refaire. Hein. La première place euh, n'est pas finie. Il y a encore pas mal de petites choses. Mais c'est ultra dangereux cette chose. Hein. faut vraiment y aller doucement. Attention, le, le dernier gros truc. C'est le The Tombé. Oh là là. Heureusement qu'il y a des bumpers pour euh, stopper là. Imagine ceux qui vont tomber sans les bumpers. Ça va faire très 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 mal. Ça peut aller très vite comme ça peut tomber comme de la pauvre merde. C'est ultra hardcore comme, euh, comme course. Raquel, c'est bon, il a été stoppé. Attention, ça, Misa. Misa pas bien. Misa, ça va. Misa va. Raquel, attention. Misa. En plus, c'est des bumpers et tout. Hein. C'est ultra mortel. Alors que Yann John Sniper, ça y est, on ne l'arrête plus. Il a perdu tellement de courses. Et apparemment la fin de la course se joue sur un truc what the fuck. Alors que Raquel est tombé comme une pauvre merde. Et Yann the Sniper termine euh, pas la course. C'est pas fini. Il y a, y a autre chose là. Il y a un putain de bumper de ouf. Je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas ce qui va se passer. Zblah On est où Ok, on est retombé. Oh putain ouais d'accord, faut retomber comme ça. Oh c'est hardcore. Alors que la première place se joue toujours entre Yann the Sniper et moi-même, attention, pas trop vite. Et Yann termine cette course premier, je termine la course deuxième. Et il ne reste plus que Missa. Missa innocent, Missa va terminer la course tranquillement, j'imagine. On est un truc de pirate de ouf. Oua de, 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 de. Grosse frayeur, Missa peur, hein Missa... Oh, mais ce, ce, ce final, what the fuck Ce Racing Pink 2 et le nom de la course. Et du coup c'est Yann The Sniper qui aura le record de live. Et donc Missa, euh, Bubble Man de cette course. Beaucoup de victimes, surtout au début à cause euh... Et Yann qui est parti pour gagner le grand prix alors qu'il a fini dernier sur au moins 4 courses. C'est pas normal qu'il qu puisse gagner. On va vérifier après. Euh, je sais même pas si on peut voir. Energy Rainade. Je sais pas. La prophétie s'est accomplie. Donc Yann The Sniper qui finit premier alors que ça s'est joué de peu avec moi, ça s'est joué sur le... la toute fin au moment du bumper. Euh, je l'avais rejoint et le bumper n'a pas été avec moi. Euh, Misa qui a fini la course tranquillement, en petite frayeur euh, sur le bumper justement. Et tous les autres sont généralement tombés à cause des chutes euh, beaucoup trop rapidement. Il y a vraiment un obstacle hardcore. J'imagine quand il y a 200 personnes, le nombre de tombés qu'il peut y avoir. Et du coup, Ironix qui est le premier à être tombé est la grosse fiote de cette course. Il ne reste plus que trois courses, on est sur multilane Madness. On a envoyé beaucoup d'émotes, un capa avec des cornes, des ailes, des tirages de cheveux. Ah, Alicia <laughs> Alicia qui avait pris ce, ce record sur celui-là, il a piqué. Elle avait piqué mon record tout à l'heure, c'est le moment de se venger, elle est pas là. Elle va peut-être revenir. Si vous lui piquez un record, elle revient tout de suite. Pour piquer un autre record. Alors qu'il manque deux personnes. Raquel, moi, Ryuko, Eronix, Tradimoncio, Yann the Sniper, ça le Pharaon Mathem, c'est bon, il en manque un. Et c'est... C'est... Raquel. Non, c'est Fénix. Il manquait Fénix. Pardon. Raquel, c'était le tout premier en plus. Désolé. Alors, tout le monde est là pour l'instant. Peut-être plus encore. Lancement dans... 10 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, good luck, have fun. Pour cette avant, avant dernière course. Déjà 8 huitième course, hein. c'est passé vite. Hein. Essayons de battre le record d'Alicia. Du coup, je vais essayer de récupérer mon record, mais je suis mal placé, je suis très très haut. Mais bon, on est sur un Kravchenko bumper. Alors que a l'air d'être bien parti, mais finalement c'est Raquel qui passe devant. Attention, il y avait eu un mort la dernière fois. Faites attention de ne pas aller trop vite non plus. Ne hein. pas confondre vitesse et précipitation. Donc tout va bien. Le pharaon à thème. Oulala, il est où Il est là, tout va bien. Moi-même je suis passé. Ayouk, c'est bon. Raquel qui tombe comme une pauvre merde Le phénix il va tomber aussi comme une pauvre merde Et pharaon qui est tombé comme une pauvre merde Trois morts déjà dès le début. Et du coup, je suis au niveau du record avec Alicia, suivi par Ryuko. Ensuite, on a Ultra Dimensio et Mjimisa. Ultra Dimensio qui fait un petit détour, mais il y aura un petit boost. Et on a Ironix et Yan the Sniper qui euh, va terminer euh, euh, la marche. Alors qu'on a Ryuko et moi-même qui commençons à nous rejoindre. Et Ryuko est passé devant moi, mais ne battra pas le record d'Alicia pour l'instant. On a toujours Eronix qui si tombe comme une pauvre merde. Et Yann the Sniper qui commence à prendre un sacré raccourci pour euh, le tourniquet qui est bloqué par Ryuko. Ryuko qui a mal pris ce tourniquet. Et Yann the Sniper qui tombe comme une pauvre merde. Il ne reste plus que Ryuko pour l'instant qui est bien parti pour terminer cette course premier. Je pense qu'il va finir cette course premier. On a ensuite moi, Misa et Ultra Dimension qui se disputons la deuxième place. Celui qui passera le tourniquet devrait se garantir la deuxième place. Le record restera, euh, quoi qu'il advienne, à Alicia. Au moins, elle a pu se protéger un record. Après avoir piqué euh, le mien. Je me rappelle, c'était moi qui avais le record au début du live. <laughs> je suis déçu. Mais en tout cas, je finis la course, c'est bien. Je vais finir euh, deuxième, du coup. Yoko qui va finir tranquillement cette course. Ah, tout est à faire. Hein. Vous voyez, Yann the Sniper, vous dites, euh, il est parti pour gagner le Grand Prix, mais encore une fois, il est tombé. Hein. Rien n'est fait, rien n'est fait. Je ne sais pas du tout. Euh... Alors pas du tout qui va qui va remporter ce grand prix. Hein. Alors moi-même deuxième. Là je suis bien parti pour euh, faire top 3 là. là je viens d'enchaîner deux bonnes courses. Euh, Ultra au troisième euh, et Missa quatrième. Sauf si la fin de la course, non... On est, on est large. On est large pour la fin de la course, tout le monde va finir la course. Enfin tout le monde. <laughs> pas moi avec mes quatre pauvres points en tout cas. Donc, GG Ryuko pour euh, cette course. Ah, Ryuko qui est pas mal pour la première place aussi. Hein, J'ai envie de dire. Ah, Ryuko, euh, si c'est ça les points de. Le truc, euh, il a quand même 88. Hein. Moi-même deuxième. Si c'est ça les points. Ça se trouve, c'est peut-être pas ça les points. Euh, là, 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 là. On va voir. On va voir si c'est ça les points euh, du Grand Prix. Il est bien parti. Moi deuxième. Ensuite, on a Yann the Sniper. Ah, ouais, c'est pas mal pour. Non, ça c'est le total de la saison. OK, d'accord. Raquel, bon, bah... elle RIP. Donc du coup, Ryuko, grand vainqueur, Missa Bubbleman et le pharaon Watem euh, la grosse fiotte de cette course. Allez, on est sur euh, Skywatch Swag pour l'avant-dernière course. Alors qu'on a oh, vieil bouton. <laughs> voilà un émote que j'avais pas vu depuis longtemps par euh, part de Raquel. Alors, c'est le docteur qui a le record de Il faut l'enlever celui-là. Supprimez-moi le docteur. Essayer de battre son record sur Sky Strait. Alors, on est 5 sur 9. Il manque 4 personnes. On ne voit pas très bien. Ok. J'ai vu Rakiye, Yann the Sniper, Yu, Eronique. Euh, Missa. Euh, Est-ce que y est Phoenix euh, Ouais, il en manque un. C'est qu -ce qu'il manque c'est bon, bon, je vais demander Raquel... Héronix, Missa, Phoenix. On est bien neuf, hein il n'y en a pas un qui est parti. Je regarderas le Discord pour les clips. Oh, la vache. De toute façon, ce sera mis. Euh, voilà, le pharaon à thème, je l'ai attendu. Nickel. Tout le monde est là. Lancement dans 10 secondes, du coup. Kamehameha! Play! 5! 4, 3, 2, 1. Et je vous demande de euh, bousiller le record de Doc sur cette course parce qu'on ne le voit quasiment plus. Comparé à Big Ben, qu'on voit de temps en temps. Euh, Doc qui est euh, un modo de, du, du stream. Qui était censé être là ce soir d'ailleurs. Mais je crois qu'il a complètement oublié que je live ce soir. Comme d'hab. Mais bon, mes modos, je leur laisse faire leur vie quand même. Je suis pas là pour, euh, pour le travail. Moi je suis surtout là pour m'amuser pendant mes lives. Alors qu'on a mis ça. Attention le bumper. Attention le... Pour l'instant, ça a l'air d'être très bien parti. Alors que les autres, il va y avoir peut-être quelques petits massacres. C'est un sacré bordel. On a... Ironix qui est tombé comme une pauvre merde. Je baisse d'un ton parce qu'il commence à se faire tard quand même. J'ai pas envie de me faire engueuler par les voisins. Ou euh, par euh, d'autres personnes. Ah, Missa qui passe très très bien cet obstacle et qui va est bien parti pour pulvériser tous les records. Faut pas aller non plus trop 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 vite. Pour l'instant, Missa, c'est très bien. Tu bats le record, c'est très bien. Alors que moi, je suis juste derrière. Et les autres. Euh... Vous voyez là, le record, il est complètement bloqué. Donc là, on est très très bien. On a Félix 3 Ryuko, 4 avant le record. Alors que nous, on est en train d'entamer euh, le sort de descente de garage, hein, comme je dis si bien. Je l'ai pas dit euh, ce soir, euh, jusqu'à maintenant. Alors qu'on revoit les mêmes émotes du côté de Yann The Sniper, apparemment ça a l'air d'être un cheat code. Il est en train de rattraper tout le monde là. Mais en tout cas voilà, toujours Misa premier, moi-même deuxième. On a Raquel qui va super vite là. Ah non, ça a été ralenti parce qu'il était au niveau de la séparation. Euh, on est sur un tourniquet ultra mortel, il faut faire extrêmement attention. Alors que moi-même et Misa, on arrive petit à petit. On a les petits bumpers alors que le record commence à arriver, va arriver. Super V de Phoenix, il a mal pris le tourniquet qui est tombé comme une pauvre merde. On a ensuite toujours, attention, moi, euh, moi contre... Euh, moi qui a gagné Ultra ce deuxième missage, je ne sais pas ce qui s'est passé, désolé. On a Raquel, euh, quatrième. Yann the Sniper, cinquième. On a Ryuko, sixième. Et on a encore le pharaon à thème qui... Et il finit les courses! Il finit les courses! Pas tous, mais il finit! De toute façon, il y a un, il y a un bumper, il hein, faut faire gaffe. Ne contredis pas, finit la course! Ou le bumper, il a fait peur! Ou celui-là aussi, il a failli faire peur! Allez, il faut finir! C'est bien le pharaon, Bubbleman! Et du coup, je bats le propre record de Doc! Alors que c'était Misa qui était grand favori, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça s'est joué de très très peu à un moment! Donc, moi-même euh, qui bave de quasiment une seconde, Ultra Dimensio. Et là, ça se joue euh, de pas grand-chose, hein, quelques dixièmes. Enfin, quelques dixièmes, même pas. Hein. Même pas un dixième en plus. Hein. Ça joue euh, au centième près. Euh, 9 centièmes pour être exact. 91 millième, je dirais, à vue de hein. Donc, euh, Ultra Dimensio qui a battu Misa de très très peu du coup. Euh, les autres, ça s'est plutôt bien passé, à part Phoenix et Aeronix. Alors, Phoenix, euh, faut le faire, hein, euh, tomber au tourniquet. Eronix lui, lui, ouais, ça a été beaucoup trop rapide. Donc, il ne reste plus qu'une seule course. Et là, je suis bien parti pour être sur top 3. Est-ce que je vais gagner ce Grand Prix Je ne sais pas, mais... Ça va, ça va, ça va. Je, je me vois euh, favori pour l'instant. Euh, je ne vais pas me vanter, mais... Oh, euh, il oui, y a du Squid 1, Squid 2. Il y a plein de 50 émotes. Et là, je les vois là. Et donc, la dernière, c'est The Leap to Remember. A Leap to Remember alors que max nous envoie un petit salut excuse moi max je pas vu pour la dernière course ah, est arrivé au mauvais moment max qui va tenter euh, de, de modifier euh, au moins le classement de ce grand prix pour la toute dernière course de la soirée donc on est censé être euh, 10 du coup méga code plus 50 points plus 50 points plus plus 50 points Bon, à part une ou deux courses qui n'étaient pas terribles, tous les autres courses étaient sympas, hein. franchement. Euh... On est neuf, il en manque un. Je sais qu'il y a Max qui est passé devant quelqu'un. Donc le Pharaon, Ryuko, Eronix, Ultra Dimensio, Misa, Phoenix, Yann the Sniper, il manque... Euh... euh... Raquel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Nickel. Tout le monde est là. Et plus un encore. Je lance cette dernière course, du coup, dans... 20 secondes. Oui, je laisse un petit peu de temps pour cette dernière course. Quand même que 23 heures. Parce que j'ai commencé 10 minutes plus tôt. Je... Mais finalement, ça a duré moins d'une heure en plus. Allez, en ce moment, dans 15 secondes, je fais gagner du temps. 10 secondes, la dernière chance. 5, 4, 3, 2, 1. Et good luck à fun pour cette dernière course où tout est jouable. Alors qu'on voit quasiment plus les pseudos. Alors, c'est la dernière course, on ne la connaît pas. On n'a pas vu le dojo pour une fois. Mais juste le dojo, c'est très bien. Alors, ça commence. Et on souhaite euh, bon courage à Max pour perturber un peu ce classement. C'est tout ce qu'il peut faire euh, pour la fin de la soirée. Il tentera sa chance la semaine prochaine s'il si veut bien. Il n'oublie pas de follow d'ailleurs s'il veut reparticiper la semaine prochaine et faire un peu plus de courses. Alors, ça commence avec Ironix. Puis moi moi, je suis très bien. Si je reste deuxième, je suis bien parti pour gagner le Grand Prix du coup. Euh, on a après Misa, on a Raquette de l'autre côté, Yann the Sniper, Tradimensio. Euh, là, c'est le bordel. Le Pharaon, Phoenix et Max qui terminent la marche. Et encore, non, je dis des de conneries, Phoenix, c'est plutôt pas mal. Euh, J'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde. Alors qu'on va voir. Wow, wow, on a un enchaînement de la mort. Alors là, euh, on va dézoomer tout ça. Et Ronix, allez, premier à tenter sa chance avec moi. Et Misa, et on est tombé comme des pauvres merdes. La première place s'est remis en jeu. La première place n'est pas encore assuré par moi, donc du coup tout est encore jouable. Eronix il tombe lui aussi, comme une pauvre merde. Ultra Dimension le Pharaon et Ryuko qui tombe Comme des pauvres merdes, c'est un massacre. Bah s'il n'y a pas de gagnant, je, je, euh, je gagne quand même. Alors que Yann the Sniper envoie des émotes euh, que, Comment il a fait pour avoir chopé cette émote sans avoir euh, activé l'abonnement euh, Voilà, il a activé des cheat codes, il a cheaté les émotes euh, célestes, euh, super Bon, ma petite mascotte, allez, il est à fond dedans. Pour l'instant, il est resté sur la course. Il est parti pour être troisième sur cette dernière course et donc rattraper sur le classement. Il y a encore un, une grosse phase de, de bumper euh, juste après l'entonnoir qui peut remettre en question le classement final. Euh, on a Max qui peut rattraper parce que c'est un entonnoir un peu spécial. Alors qu'il y a d'énormes ralentissements. La première place, on ne sait pas du tout c'est lesquels. Là, ça fait du droit, de gauche, de partout. Alors que c'est Phoenix qui est le premier qui va tenter sa chance sur les derniers bumper de la mort de la soirée. Attention, on a Raquel qui commence à le rattraper. Il passe sur le côté, il est pas bête, il est pas bête. On a Missa, il Alors que ça spamme à fond les émoticônes, alors qu'on a Raquel, Missa, Phoenix, 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 Raquel, Missa. Ensuite, on a Yann the sniper. Attention, Yann the sniper qui va passer les derniers bumpers tranquillement. Oui, il reste encore Max. Attention, Max peut se prendre un petit coup de troll de, de bumper. Ça a l'air de bien se passer, là. Tout va bien. Il y a eu un sacré massacre. Hein. Le classement Phoenix pour le top 3 peut être remis en question. Et the winner of the last course... The last race is Phoenix. GG. Un grand GG à Phoenix pour cette dernière course. Alors que j'ai gagné de l'énergie, alors que je suis une pauvre merde qui est tombée. Et c'est Hero Nix qui est le premier à être tombé comme une pauvre merde. Ensuite, c'est juste après, c'était moi. Ensuite, c'est Ultra Dimension. Ensuite, le Pharaon Atem mais Et enfin, Ryuko. On a Phoenix qui termine cette course alors qu'on avait euh, Rakiel qui était pas mal. Yanzo euh, Sniper qui était à un moment troisième finalement. Il a perdu une, euh, une place contre Bissa. Et Max qui a fini tranquillement cette course pour la seule course qu'il a fait de la euh, soirée. Il a quand même terminé la course en tant que Bubbleman. Donc, grand vainqueur Phoenix, Bubbleman, Max et Ronix, Grosse fiotte de cette dernière course. Je pense que c'est bon, 7 points. J'irai pas loin, je dois être quatrième. Alors que ça spam à fond les émoticônes. Et maintenant, on va regarder le finish. Alors, euh, top 3, je dirais... Ah putain, Egan, c'est dur. Hein. Mais ça, on ne l'a pas vu. Hein. Il peut être discret, il peut être top 3. Je vais me dire, Héronix, euh, moi et Phoenix. Allez, on va partir là-dessus. Même si on est tombé comme des pauvres merdes la dernière, je pense que le top 3, euh, moi sûr. Phoenix, euh, possible aussi. Après, ça peut être Eronix, Missa ou Yann. On va voir. Si ça se trouve, je me fais complètement avoir, c'est pas du tout ça. Parce que après 2-3 courses, je ne savais pas du tout où est-ce qu'on en était au niveau des points. Euh, on peut regarder... Ah ouais, on peut voir le Grand Prix. Oh, je ferai ça la semaine prochaine, comme ça il y aura la surprise du chef. Vous êtes prêts pour le, euh, les trois premiers oh, désolé Max, hein, on sait que ce ne sera pas toi, t'as fait qu'une course. Et 5e euh, au bout d'une course, euh, <laughs> c'est mort. Mais tu retenteras ta chance la semaine prochaine quand on sera assez nombreux. Comme ce fut le cas ce soir. Alors, on se is Troisième. C'est pour moi troisième. Je pense que je suis troisième. Allez, boum. Deuxième Phoenix. Boum. Premier Yann. <laughs> ah, Ryuko. Ryuko qui vient de nulle part. Alors, moi et Phoenix, euh, je l'ai senti. Yann, Ryu et toi. Et non, il y a Phoenix. Moi, Phoenix, euh, je m'en doutais. Donc, Ryoko avec 12 points, 2 wins. Phoenix, 11 points. Moi, 10 points. ex aequo avec Yann. <laughs> Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il a gagné 2 corps, j'en ai gagné qu'une et je passe devant lui. Même moi, je trouve ça scandaleux. Il y a du favoritisme. 7ème, hein. ouah, moi, ouah, nul. Alors qu'on était 9 au départ, il y a. Il y a quand même Hitmo euh, qui a battu Eronix. Eronix, <laughs> il est là depuis le début. Et Hitmo, euh, qui a fait euh, quelques courses a fini quand même euh, 9 e Avec une win, c'est pour ça. Ouais, carton rouge. Hein. Carton rouge, Ori. C'est censé être Yann, troisième. Je n'ai pas censé être euh, top. Je pense que la dernière course a joué pour ma deuxième place. Ah oui. Ah oui, oui. <laughs> Grandement. Ça te cheat euh, Non, ça te cheat pas. Je suis streamer, je fais ce que je veux. Mais après, c'est Marble qui a voulu ça. Je suis désolé. Bon, on n'a pas eu la course de merde où tu dois faire des loops de ces de morts. C'est pour ça que j'ai fini troisième aussi. Et j'ai enlevé euh, la maison en hantée qu'on a failli avoir euh, dans ce Grand Prix. Euh, on va l'éviter. Je le mettrai juste pour l'échauffement et pour faire venir euh, les gens la prochaine fois. En tout cas, je vais. Je m'en fous lors du dernier Grand Prix, j'ai terminé deuxième. Ça me va largement. J'ai jamais gagné un seul Grand Prix depuis que j'ai commencé les lives dessus. Alors que c'est le troisième, 3... je crois, Grand Prix que j'ai fait. J'ai gagné aucun. J'ai toujours fini dans le top 3, sauf, je crois, le deuxième. J'ai deux fois dans le top 3. Je m'en sors bien. Moi, je suis streamer, je fais ce que je veux. Puis, euh, la première, il y avait des gens qui étaient partis, d'autres qui les remplaçaient. C'était le bordel. Donc, du coup, comme moi, j'étais resté jusqu'au bout et que je me plaçais plutôt bien. J'ai un avantage. C'est ça, mon avantage. Je suis obligé de participer à toutes les courses. Parce que c'est moi qui fais les streams. Sinon, euh, si, si je fais pas les courses sur mon propre live, c'est qu'il n'y a pas de stream le mercredi. En tout cas, voilà. En tout... on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme j'ai pas pu faire euh, ce que j'avais à faire parce qu'il y a eu grand prix et je suis bien content qu'il y ait eu grand prix. Euh, je reporte à demain euh, les résumés de tous les clips qu'il y a eu depuis ces quatre dernières années comme un, une sorte de mini best of. Et oui, la flemme de faire des montages vidéo, etc. Donc euh, je vais essayer de voir tous les clips que les gens, euh, que ce soit des tests, etc. Il va y avoir des clips qui puent la merde, comme des clips qui sont juste emblématiques. Euh, expliquer aussi euh, tout ça. D'accord, je suis de la chatte. Merci, ça me fait plaisir. Heureusement bon, que le règlement a marqué « Insulter le streamer avec modération ». Bon allez, je dois aller, bonne nuit. Ouais. J'imagine toi, UltraDemonSoul, on se retrouvera samedi, justement. Samedi, euh, rendez-vous euh, classique euh, sur Mario Maker 2. Euh, dans lequel j'ai un niveau troll, un autre niveau, et je pense qu'on va passer sur le prochain Super World, si je ne me trompe pas. On se retrouve ensuite lundi pour la suite des aventures de euh, GTA San Andreas, sachant que euh, j'en profite pour ceux qui veulent me suivre le lundi, que euh, les pistes utilisateurs que j'utilise, ce sont des openings de manga, et donc si vous avez des idées d'openings de, de manga, c'est le moment. Alors ça peut être là, ça peut être euh, sur le Discord d'Utopia Rainbow, ou ça peut être aussi... Euh, en commentaire sur ma chaîne YouTube euh, ou en privé, euh. Allez, vous pouvez me contacter. Bonne nuit, crevard! <laughs> Allez, sympa, Yann! Allez. Il va pas dormir de la nuit, il va faire des cauchemars. Donc voilà pour ce qui est de GTA. Sinon, je suis. Je suis. Je suis, je suis. Je suis. Je suis clochard là dans, dans GTA. Pas là. J'ai un PC, une chambre, tout va bien. Alors, euh, ouais, je, suis dans le... je suis dans la campagne, je commence à me familiariser avec Katharina, etc. Mais j'ai un autre gars qui m'a appelé pour euh, une autre mission. Donc on en est là, après les révélations. Ensuite, euh... on se retrouve du coup la semaine prochaine pour euh, Marble on Stream. Donc euh, voilà, c'est le rendez-vous du mercredi. Pour l'instant, ça ne changera rien. Et comme j'ai dit, bah, pour ceux qui continuent à me suivre et qui veulent me suivre uniquement, le prochain rendez-vous sera lieu demain avec les clips. Voilà, sur ce, moi, je vous dis bonne et plus plus. Ciao, tous les gens.